Voilà, normalement maintenant Ah, on les peut vieilles m'entendre parce que comme habitudes. d'habitude, OBS a changé absolument tout. En mode, il veut pas utiliser son micro, il veut le micro de sa webcam. Là là. Et déjà, il te donne, t'as assez de travail. Non mais T'es c'est donné bon, encore plus arrêtez de de changer à travail. ma place, je vous ai rien demandé moi. Bande de cons. Je change tout. Peut-être qu'il me parle pour voir toi. Moi, je parle. Ok, ton son est vachement plus fort que le mien, bien entendu, mais c'est pas grave, voilà. Vas-y, parle. Je parle. Comme ça. Booster un peu le son du paramètre. Bon, ben, tu peux me spoil ou faire un résumé de la fable 3 et 4 ou faut que j'aille voir les vidéos? On est parti récupérer Jack Sparrow qui était perdu chez les morts, je sais pas quoi. Il n'y avait pas vraiment d'histoire, hein. On est juste allé récupérer Jack Sparrow. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite. Très franchement, il s'est pas passé grand-chose. Après, dans l'autre, on est allé dans le royaume des sirènes pour aller voir une alliance de méchants. Une alliance de méchants. Donc en fait, t'as. Comment il s'appelle? L'homme David poulpe. Jones qui s'est associé avec Wanda, la femme masquée, qui s'est aussi associé avec Duke, notre très cher fond de cale qui nous a trahis visiblement. Et il y a le Gold Order, Ah, le le boss qu'on a traître. déjà battu, qui est revenu avec des algues sur la gueule parce que bah, on l'avait battu et il est revenu. Ah, des algues. Et sinon, c'est tout. Il s'est rien passé de franchement extraordinaire. Voilà. Mais vous l'avez tué, je crois, Ouais, tu le le boss réaffrontes. de la fable 4. Ouais, alors C'est quoi le... c'était le Gold Order, justement. Tu le réaffrontes. Le pauvre, il vient de revenir et il est reparti. Hey, bonjour. Ok. Allez, la fable 3, vous avez eu quoi comme boss? Il n'y avait pas de boss, c'était juste une fable comme ça. Pas toujours un boss, hein. Pas toujours un boss. Alors. On va C'est mettre bien le. d'avoir des boss. Ça dépend, il n'y a pas des boss. Non, les boss, normalement, c'est en fin de chapitre. Alors, on va mettre. Bah, une fable, c'est un chapitre, non? Non, je considère pas ça comme un chapitre, moi. Parce qu'il y a des fables qui sont pas extraordinaires. Il y a des fables, c'est juste va ramasser l'objet et tu combats personne. Le truc pour aller chercher Jack Sparrow, on a combattu quelques fantômes, mais en vrai, c'était pas extraordinaire. Il y avait juste des fantômes à combattre, des vagues de fantômes à combattre, et voilà quoi. Pas oufissime. Celui à ça, le titre est bien trouvé, MDR. Ouais, alors. Allez, vous pouvez lancer les débats. Le titre, c'était Piraterie ou Piraterie, en espérant que ce soit drôle. Espérant. Soit on est drôle, des fois on l'est pas, hein, c'est la vie. Et le deuxième débat, c'était pain au chocolat ou chocolatine, parce que comme ça, on est pratiquement sûr que ça fera parler les gens. Voilà. Faisons parler les gens. Laisse parler les gens. On met l'ambiance. Alors là, on se prépare, tranquillou. Mon jeu est enfin en français avec mon clavier qui fonctionne correctement. Donc, je n'ai plus besoin de torturer Gladio pour qu'il lise les textes. Qui pour Gladio est sûrement une update tout à fait valable. Et comme ça, vous aussi, vous pouvez lire les sous-titres. On n'a plus besoin de les lire pour vous non plus. Incroyable. Ok, quand je tire, ça fait piou. Très bien. Et mon canon, est-ce qu'il est fort? Le son du canon devrait le faire, je pense. Bon, c'est bon. Hop, hop. Même pas si on aura besoin de boulets et tout. Je sais même pas si ça se passe Ben, dans on peut acheter l'Underworld. toujours, hein. Hein? Non, n'en On peut achète acheter pas. Non, non, toujours. non, non, n'achète pas. Parce qu'ils vont nous en donner normalement. Il y a des fables où ils t'en donnent beaucoup trop. Donc, n'achète rien du tout. Ben, je peux acheter, Non, il y a non, Matt non, qui non, m'a non, filé de non, non, l'argent. non, 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 non. Ce que je suis en train de te dire.
C'est qu'on va en avoir beaucoup trop. Ça va être inutile. Donc là, c'est Oui. pas juste t'as assez d'argent. C'est ça sert vraiment à rien. Tu vas voir. Fais-moi confiance. Si je me trompe pas de ce que j'ai vu, Vlamissou m'a montré que il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc ça ne sert strictement à Bon, rien. bah, je suppose que ça sert à rien d'acheter alors. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça ne sert à rien d'acheter. Bon, ben. Alors attends. Mes notifications parce que c'est pareil, le son des notifications se remet à chaque fois. Alors, oups, bordel de couilles, Ça n'a pas changé. Alors, je comprends pas le sens du titre. Le sens du titre, c'est un jeu de mots. C'est piraterie, la piraterie, le fait d'être un pirate, ou pirate qui rit, pirate qui se marre. Donc, la piraterie, tu pourrais dire que c'est la violence. Le pirate qui rit, c'est un pirate rigolo, quoi. Il n'y a pas vraiment de sens, hein, c'est juste une question, un jeu de mots pourri à l'arrache. Et ensuite, la question suivante, c'est pain au chocolat ou chocolatine, parce que c'est le débat préféré de tous les Français. Et même quand c'est pas le débat, les gens, des fois, posent la question pour le LOLs. Donc voilà, on a posé la question avant tout le monde. On est prêt. Et puis j'ai tout. Voilà. Et en vrai, le sens du titre, c'est de vous faire venir pour que vous me posiez la question du sens du titre, et dans un sens, vous êtes venu. Voilà. Bienvenue à toi. C'était un piège! C'était un piège! Un pain aux chocolatines, vous imaginez? En vrai, c'est une baguette. Vous la coupez en deux, et dedans, vous la stuffez de croissant, de pain au chocolat tout le long. Donc en fait, t'as une baguette avec des chocolatines. T'as quatre chocolatines dedans, vous imaginez le délire. Je pense que tu manges ça, c'est bon, tu manges pas. Mange pas Ouais, je ça. pense pas que je mangerai ces trucs-là. Ah ouais, moi je veux goûter. C'est possible. Si tu m'avais dit un croissant avec du chocolat, moi je suis pour, hein. Non mais tu sais que de base, les Réunionnais, ils ont bien l'américain bouchon ou le pain bouchon gratiné. C'est du pain dans du pain, hein, puisque les bouchons en soi, c'est déjà de la pâte dans de la pâte. Donc voilà. Dans le chocolatine, ça Dans règle le le. débat. Non, les Anglais ont réglé le débat. Ils ont fait l'affront final, les Anglais. Ils ont fait chocolat croissant. Chocolat, croissant au chocolat. Parce qu'ils n'ont pas compris que croissant, c'était le nom de la forme en elle-même. Pas juste un croissant, ça s'appelle pas un croissant parce que ça s'appelle un croissant. Un croissant s'appelle un croissant parce que c'est une forme de croissant. Donc les Anglais, ils n'ont rien compris. Ils ont voulu trancher le débat avec leur chocolat croissant. Mais ça marche pas, surtout qu'au final ils ont vraiment fait des croissants au chocolat, donc du coup ça marche doublement pas. Quelle décadence! Salut! Oh. Ah, Je viens d'arriver. j'ai entendu de l'écho. Mathéo, alors parle pour voir. Ouais, allô? Salut, ok, donc nous avons Mathéo Lafarge Digimon avec nous. Pourquoi tout le monde a un son plus fort que moi? Hein? Ça m'énerve! Ah, voilà, je te mets à 90. Fletcher, Faut tu pas être parles? jaloux. Fletcher. Fletcher! Oui, attends. Oui, je Non, suis là. j'attends pas, j'ai pas envie. Vas-y. Oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, toi, je vais te laisser à 100. Pas les pieds. Ok, moi, je suis bon. Et Mathéo, normalement, il est bon. Réinvite Mathéo, Fletcher. Je sais pas s'il a reçu l'invite. Oui, alors, parce que là, je viens de lancer le jeu, je crois qu'il y a une petite mise à jour à faire, non? De 2 gigas. Ça. Oh, ça va aller vite. Bah, c'est fait avec une connexion rapide. Oh, 2 gigas. Ça va. C'est bon. Ça va prendre 5 minutes. Écoute, attends, j'arrive. Oh Arrondi, non. c'est 3 gigas. Ouais. Oh, du coup, ouais. Je sais pas si j'avais su, j'aurais lancé avant, mais elle s'est pas lancée automatiquement, c'est bizarre. Mais bon, Non ça va mais pas, non enfin, mais je laisse suis tomber, content. arrête de réfléchir. C'est censé faire beaucoup de choses, les mises à jour Windows ou les mises à jour Steam. Mais non. Voilà.
Non, non, mais des fois elle se lance toute seule quand on n'a pas envie et quand on a besoin, Ouais, non, mais c'est toujours comme elle se ça. lance pas. Ce qui est mieux, c'est qu'à l'inverse sur Mac, c'est quand le Mac, lui, il dit, tu sais quoi, je pense que je te laisse 5 minutes pour décider si tu veux updater maintenant. Toi, t'es parti pisser ou je sais pas quoi. Tu reviens et il est en train de faire une mise à jour et t'es là. Ah non. Bon, ben, pause, hein. Je prends un break. Allez, à dans une demi-heure. Ah ouais, ça c'est sur les Mac aussi. Bon, les mises à jour de toute façon sur tous les trucs, c'est toujours un peu fort, ouais. Encore Mac, normalement, il redémarre pas dans ta gueule. Moi, ça m'est déjà arrivé que Windows me mette un message. Et que je suis en Ah train de ouais. taper du texte. Donc, par exemple, tu es en train de taper Ouais, Salut Fletcher, tu veux faire du Sea of Thieves ce soir? Et tu vas appuyer sur la touche Entrée. Et t'as pas vu que sur ton écran, il y a un pop-up qui a fait Voulez-vous redémarrer maintenant? Et tu appuies sur Entrée, ton ordinateur redémarre et tu sais pas pourquoi. Et tu es là, Attends, non, quoi? mais ça, Qu'est-ce que c'est quoi? Windows. Et Ah, Fletcher, ça doit j'ai être jamais su mettre ça, chiant, je mais peux ça t'assurer. va. Si tu... Avec les mails, il te met en brouillon. D'accord, ah oui, quand tu t'écris un mail. Ah, mais bon, Ouais. ça Non, mais peut être un peu moi, je parlais chiant. d'écrire un message pour jouer et qu'en fait, t'as pas du tout prévu de faire une mise à jour là maintenant tout de suite ou de redémarrer ton ordinateur. Par exemple, t'es en train de faire un téléchargement ou comme moi, un upload de vidéo quand ça m'est arrivé. Et Windows, ils te mettent un pop-up dans la gueule en mode ils arrêtent tout ce que tu fais sauf que toi, tu sais pas qu'ils t'ont arrêté. T'étais en train de regarder ailleurs. Donc quand tu tapes Entrée, tu redémarres ton PC, t'es là, Attends quoi? Pourquoi? Et tu sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? La touche Ah entrée là. fait redémarrer mon ordinateur! C'est pas normal! Je suis à la moitié de la mise à jour là pour la petite Oui, info. bon, c'est bon, t'arrêtes de flex là, ça va! C'est quoi ces flexeurs? Qu'est-ce que dit le chat? Sinon, vous faites la fable 5. Oui. Et aussi puissant que David Jones sur les mers? Petit compliment, je pense pas être aussi puissant que David Jones sur les mers. Surtout qu'il est surtout sous la mer là. Ouais, E3 c'est vrai. 2021 égale Nintendo Direct. Ouais, oui, ouais, non, c'était aussi E3 2021. Pour moi, ce que j'en ai retenu, c'était Nintendo Direct et Game Pass. Game Pass, Game Pass, Game Pass. Ce jeu, il sera dans le Game Pass. Ce jeu-là, dans le Game Pass. Bethesda, dans le Game Pass. Tous les derniers jeux Xbox, Votre dans le famille Game dans le Game Pass. Pass. Votre ami est dans le Game Pass pour seulement 10 pounds par mois ou 10 euros, je sais pas, peut-être 12 euros chez vous. Mais en vrai, quand tu regardes, alors déjà, j'ai aucune raison. Si vous avez une bonne connexion Internet, aucune raison d'acheter une Xbox. Mais alors, pas du tout. Par contre, si vous avez une connexion Internet qui est bonne, vous avez intérêt à avoir le Game Pass. Parce que le nombre de jeux qu'il y a dedans, et surtout les nouveaux jeux Microsoft, ils les sortent direct dans le Game Pass. Franchement, aucune raison de se priver. Ouais, C'est c'est clair. Bon, ça cool. évite de payer. Bah, en plus, maintenant, les jeux, c'est. Moi, je vois sur la PS5, là, ils ont sorti Ratchet et Clank, 70 pounds. 80 euros. Ouais, c'est ça. Ah, c'est. Oui, non, 80 euros. Oui, bon, alors moi, j'essaye d'acheter la PS5. Enfin, j'essaierai quand j'aurai un peu plus d'argent, mais je sens que ça va être drôle. Oh, bah, tu peux attendre parce que là, pour l'instant, les jeux à 80 euros, très peu pour moi. Merci. Ah non, les jeux à 80 euros, non, mais. Enfin, déjà, s'acheter la console, c'est pas facile, donc. Au Ouais, début, c'est les clair. jeux c'était à 60, après c'est passé à 70, Ouais, ouais, bah, ça passé augmente à chaque 80. fois. Hein. Ta casquette est très Ouais, jolie, en vrai. merci. Alors ma casquette est probablement dans le Game Pass aussi, vu que tout est dans le Game Pass. Non, pas vraiment. Je suis content vite fait pour Halo en multi gratuit. Bah ça, franchement, si Xbox veut vendre des consoles, il était temps de faire quelque chose de bien avec Halo, quoi. Parce que la première fois où Ouais. ils l'ont montré Halo, c'était surtout à LED. Hein. C'est comme la Switch d'hier, la Nintendo Switch OLED. Pour moi, c'était la Nintendo Switch à LED. Ça fait deux Ouais, Nintendo fois. Switch inutile. Ouais, ça fait deux fois qu'ils nous font des modifications en mode hey, on a amélioré la console pour quand vous Et la mettez en sortez-nous un mode modèle pro. portable. Yes. Et sinon, quand je la branche sur la télé, vous pouvez. Parce qu'en fait, j'aime bien Age of Calamity, mais Ça. j'aimerais bien y jouer à deux sans lag en fait. Ça serait bien. Non mais Non. c'est un délire, il pourrait nous sortir une belle Switch Pro avec le OLED, toutes les fonctionnalités nouvelles et tout, mais non, ils font pièce par pièce. Genre, bientôt tu vas devoir acheter ta Switch en DLC. Non, en vrai, ce que je verrais bien, c'est qu'ils sortent la OLED avec son nouveau dock. Ok, très bien. Mais ça me choquerait moins à la limite qu'un jour, ils sortent juste un dock amélioré avec capacité à améliorer ta Switch quand elle est branchée. Ça, à la limite, tu vois, ça me Ouais, choquerait pas trop. Juste le dock, quoi. Ce serait un dock c'est vrai. plus. Ouais, ça je suis d'accord. Ça, Parce que ce ça, serait c'est un cool. truc que tout le monde peut utiliser, quoi. Ouais, mais je m'attendais à Mais ce le que coup le de la dock Switch OLED. plus. J'aurais attendu que le dock plus arrive avec la OLED, tu vois. En même temps, ça aurait été Ouais. bien. Mais non. Ouais, je vois. Enfin. Fletcher, c'est bon, je suis dans le jeu. Tu peux m'inviter s'il y a moyen. Vas-y, hein, vite le wesh.
Quand j'ai vu l'annonce de Sea of Thieves, The Pirate's Life à l'E3, arrêt cardiaque de joie. Alors, ce qui est beau, c'est que personne ne le savait. Même les Captain Falcor et tout, personne ne savait. Moi, franchement, sur le moment, j'étais sceptique. Je trouvais que c'était cool que ça arrive enfin. J'étais pas trop fan des designs. Et ensuite, j'avais trop peur que Pirates des Caraïbes envahissent Sea of Thieves. Mais en vrai, non. La façon dont ça a été fait était très cool. Ça a été Ouais, c'est inspiré plutôt des. bien fait, hein. Ouais. C'est inspiré du parc d'attractions aussi. Et ils ont vraiment eu un échange avec Disney. Ils ont fait les choses proprement, donc beaucoup de respect à eux. Et surtout, ça passe à leur excuse, mais vu qu'ils n'ont pas une équipe infinie, ça justifie certains des problèmes qu'on avait pendant ces 2 dernières années au niveau des updates. Je comprends mieux que leurs équipes auraient été divisées sur une équipe qui travaillait en secret sur Sea of Thieves, A Pirate's Life. Et surtout, ça explique aussi pourquoi ils se sont concentrés sur faire des nouveautés à base d'événements. Parce que nous, on s'attendait à ce que les nouveautés arrivent au fur et à mesure. Mais non, en fait, ils avaient prévu un gros drop de nouveautés, avec en plus pas mal de lore, pas mal d'ennemis et des trucs cool. Donc maintenant, je comprends pourquoi on n'a rien eu pendant 2 ans. Et franchement, je pense que ça valait le coup. Après, est-ce que les joueurs vont pas poncer toutes les nouveautés en moins de 2 mois? Probablement, hein, c'est ce que font les joueurs en général. Mais bien joué, franchement. Franchement, c'est bon. J'ai pour l'instant du Pirate's Life. Là, j'ai fait que la première et c'est plutôt cool. T'as plein de petits trucs, notamment au moment où t'es Ouais. en mode dans un toboggan d'eau et tout. C'est vachement sympa. Et T'as plein je trouve qu'ils de. ont fait ça bien parce que c'est intégré dans le lore, quoi. On n'a pas l'impression de jouer à genre enfin, Ah, mais. un jeu Pirates des Caraïbes avec le moteur de Sea of Thieves. Ouais, et en plus, ils ont intégré le lore de Pirates des Caraïbes, vraiment, parce qu'on a des ennemis qui reviennent. Dans la Fable 4, on l'avait vu la dernière fois. Duke, gentil ou méchant, j'ai du mal encore. J'ai pas l'impression. Ils nous ont tellement niqué avec Duke. Duke, ça devait être. Il devait se transformer en Captain Flemmard. Puis en fait, non. On a eu l'impression qu'il allait se transformer en sirène parce qu'il était en train de péter un câble à l'update précédente. Et maintenant, on le voit dans la confrérie avec justement David Jones et tout. Mais je me demande si on n'est pas en train de se faire couiller encore une fois. Donc, je sais pas pour le moment. Déjà, je vais voir la fin de la Fable 5 et ensuite on Hey, décidera. je suis là. Ah, ok, on va pouvoir y aller. Je vais l'installer si elle est dans le Game Pass, ta casquette. Est-ce qu'elle est dans, elle est dans quel onglet du Game Pass? Je sais plus. Elle est dans l'onglet qui apparaît une fois tous les 666 minutes. Mais il faut cliquer en 666 centièmes de seconde. Je sais pas combien de secondes ça fait, mais je vous laisse calculer. On représente... Bientôt ils vont sortir l'écran OLED de la Switch à part de la console. Ouais, bon, ça on verra. Mais... Allez, hop, c'est parti. Votez. Ah ouais, elle est en bas ici. Ouais, la dernière fois, limite, ils ont essayé de la cacher derrière des tonneaux en mode... Ouais. Ils ont dit bon, on la fout à terre, ils la trouvent. Hein. Vas-y, on la fout là. Ça Ça ira fait pas très chier. bien. Vas-y, Bon, j'ai parle-nous, pas fait madame. les 3 précédentes. Non. Bon, quand même. C'est pas grave. Moi, je dois les refaire. Oh, il y a des gens qui arrivent. Vas-y, tu sors d'où, wesh? T'es qui? T'es pas suivi à la fable précédente. C'est eux qui Non. étaient dans la cage. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que t'es là. Il y a Gibbs. Jack, votre présence légèrement éthérée me met du baume au cœur. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'une certaine babiole brille par son absence. Ouais, bah ça va, tout de suite, nous on a essayé de la récupérer, où ils discutent, elle brille. Oui, c'est parce que Jones et ses nouveaux amis l'ont toujours en leur possession. Ils semblent s'en être servis pour un genre de rituel avant de s'enfuir pour retrouver le Hollandais volant. Une attitude qui ne sied pas un gentleman et que je désapprouve profondément. Le pouvoir du trésor entre leurs mains, David Jones et les frères de l'ombre peuvent se déplacer librement entre les mondes. Mais non, c'était Calypso qui dit. Bah, je peux pas faire la voix de Calypso, je suis désolé. Ils projettent de naviguer jusqu'à la mer des damnés, comme vous l'avez fait, et d'en prendre le contrôle après avoir éliminé le passeur. Et il lui a passé quoi? Les îles de la Vrodui, seuls les pirates ayant juré allégeance à Jones pourront revenir du pays des morts. Il a l'air bourré quand il parle en anglais, c'est terrible. Ça veut dire qu'il contrôlera tout! Ce sera la fin de cet endroit, pour sûr! Qu'est-ce qu'on est censé faire? Jones a toute une flotte à ses ordres et nous, on n'a même pas un seul navire! Il y a mon navire, hein? Hein? Eh bien, ce dimanche, je compte bien récupérer le trésor. Si je dois y aller à la nage par chance, je dispose d'une alternative plus rapide. Ouais, un brigantin, c'est le nôtre! Rouge, que commande votre vaisseau et tous ceux qui monteront à bord pour combattre au nom des pirates! De plus, j'ai autant de raisons que vous de vouloir de me venger de Jones. Alors, commande, c'est une erreur de traduction. Oui, c'est peut-être une cause perdue, mais si quelqu'un peut remporter la bataille pour préserver la piraterie, ce sont bien les pirates de Sea of Thieves. Nous, quoi. Cela dit, il y a tout un océan à fouiller et qu'on n'a qu'un seul navire. Par où on commence?
Matt, putain, tiens, derrière. Le passage vers la mer des damnés a été ouvert depuis ce monde et maintenant il doit être refermé de la même manière. The same way. Mais pour le trouver, il nous faut quelque chose de particulier. Quelque chose que la main de David Jones a touché. Je veux pas savoir ce qu'il a touché, moi. Je veux pas savoir. Mais on n'a rien qui vient de David Jones, enfin à part nos poches trouées. Bah voilà, c'est très bien. Oh, j'ai quelque chose. J'ai pensé qu'on pourrait s'en servir pour ouvrir une noix de coco. Quoi? Oh, un couteau. Un petit couteau. Il a un opinel. On va pouvoir couper du saucisson. Jones est très joli, je trouve. Pas stylé. Jones? What? David Jones est joli. Pas compris, là. On part en expédition, on va vers la dernière fable et on y va l'amener. Je vous retrouverai toujours, David Jones! Espèce de putain de stalker! Arrête de me suivre sur Twitter! Bien, maintenant nous allons et le temps de lever l'ancre. Retrouvez-moi dans ma cabine où je suis en train de réfléchir à une stratégie stratégique. Bien, et nous verrons si nous pouvons trouver de l'aide à l'avant-poste. Que le vent et la chance soient avec nous. Notre dernière chance d'arrêter David Jones. Arrêtez de me pointer du doigt, j'y pars. Si nous détruisons pas les frères de l'ombre, la flamme de la liberté disparaîtra jamais de ce monde. Duke, il est peut-être méchant parce qu'il s'est fait virer des fonds de cale, en fait. C'est trop frustré de ça. Et en mode, bah, c'est comme ça, je vais détruire ma précédente entreprise. Bande de cons. Me barre. Vous m'avez viré. Je vais vous traîner au prud'homme, moi, hein. Allez, où ma prime? Pour licenciement frauduleux. Alors... Tu mets un truc d'émissaire ou non? Il n'y a jamais de coffre dans ces trucs-là. Ah, on peut quand même se mettre un truc d'émissaire. On dit si jamais. Bah, qu'est-ce qu'on se met? Il y a un poulpe en haut. Bah, les crânes, non. Peut-être qu'on aura pas mal de squelettes à combattre, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je dirais qu'on n'aura pas forcément de crâne, pas forcément de trésor. On aura un coffre. Moi je dirais on peut tomber sur des joueurs ou voler des trésors. Oui, mais on sera repéré si tu penses au Reaper. Ah oui, c'est vrai. Allez, peut-être on se met le coffre. Hein. Hop. Okay. Ils ont décidé. Voilà, Emissary Flag Raised. C'est Donald Trump, Duke, il veut se faire virer. Non, il veut pas se faire virer, justement. Il s'est fait virer et maintenant il veut leur déchiqueter la gueule. Il veut se manger. Écoutez-moi, je réfléchis à ce Talbot. Sur le fait que la porte Hughes Jones a ouvert ne peut être fermée que de ce côté. C'est la vérité, il ne l'aura pas les aisements de protection. Attendez-moi bien, j'ai l'habitude d'improviser, toi de ta gueule, tu dégages. Mais quand je m'apprête avec des voiles pour un voyage sans retour, ben moi j'ai fait des provisions. Voilà, il va remplir nos tonneaux. Des plans, du boulot de canon, ce genre de trucs. Il vaut mieux ne pas se jeter dans la bataille les mains vides. D'ailleurs, il avait pas vidé nos tonneaux. Comment ça? Attends, c'est à nous de faire les provisions? Mec, je te pète les genoux si tu me demandes de faire des provisions. Attends, quoi? C'est bon, on a ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il a raconté, Vlamisou? Ah, peut-être qu'en solo, il te remplit automatiquement. Allez, faut acheter. Ouais, alors... Hein. Vlamisou, sois maudit! Tu m'as donné de mauvaises informations! Ah, mort, Vlamisou! Hey. Ah bah, il est maintenant... Oh, bûcher! Après, il va stresser dans le... Là, il va passer... Ah, il y avait... Ah! Il nous faut des boulets de couronon. Il nous faut des planches. J'en ai pris des planches, j'en ai pris. Ouais bah j'en ai pris aussi, hein. Je fais ce que je veux, moi. Je suis un fou, monsieur. On bah, aura plein bien, de planches. Comme ça, voilà. On va pouvoir construire une tour Eiffel en planches. Voilà. On a des fruits. Qu'est-ce qu'il regarde? Qui a acheté des fruits là que je lui pète les genoux? Mes genoux sont solides. Mes genoux sont solides. Du coup, je crois que j'ai ma réponse. Alors, le journal. Une jolie image. Un trésor sans égal. Ce trésor est capable de nous transporter entre les mondes. J'ai suivi son appel jusqu'à ce lieu si lointain. Mais ces mers ne sont pas les miennes. J'ai échoué dans un lieu où nos histoires peuvent vivre éternellement.
Est-ce que je fais la voix des anciens présentateurs radio? Il faudrait que j'ai un effet, tu sais, en mode ancienne radio. Ouais. Alors que je retrouve mes Avec forces, le les micro vents là. murmurent, ils m'enseignent les chants du chagrin. Parlez-moi du sort du plaisant Jack, avertissez-moi si le vent tourne. Alors oui, par contre, quand il disait tout à l'heure, je commande votre bateau, c'est parce que ça vient de l'anglais I command. Attends, c'est quoi? Commandeer? C'était moi je l'ai en anglais, c'était command aussi donc. Ouais, c'est ça. Alors command, mais ça veut non, en anglais, ça veut dire c'est quand tu réquisitionnes en fait. C'est quand la police vient et qui dit I command your car, ça veut dire je Ah, je pensais réquisitionne. que c'était dirigé. Ils ont même pas traduit correctement en français. Encore du Google Trad. Ah bah bravo. Oui, j'ai vu le ciel, il y a un crâne là-bas. Alors, ça veut dire j'ai volé votre bateau. On s'en branle du crâne qui est là-bas. Deux peines jumelles se sont jointes, unies dans la haine. Deux peines. Ah oui, une haine pour la liberté qu'ils ont oubliée. Sea of Thieves est né d'une idée, l'idée de la vie de pirate, d'être libre pour toujours. Lorsque c'est une brochure au marketing, votre truc pour un hôtel ou comment ça se passe? Lorsque les pirates ont fait de cette idée une réalité, ils ont rallié à eux tous ceux qui désiraient la liberté, tous ceux qui désiraient la liberté. À présent, ils doivent se battre pour préserver la vie de pirates grâce au pouvoir du trésor. Les frères de l'ombre s'emparent. Mais ta gueule, Jack Sparrow! Je lis! Les frères de l'ombre s'empareront de la mer des damnés pour toujours. Ils seront les seigneurs de la mer et ça a déjà commencé. Cherchez la vision de David Jones dans les cieux. Sous son nuage se trouve votre but, votre destin. Ah, on doit chercher David Jones. Bah, il est là-bas, je crois. Ah oui, oui d'accord, regarde le ciel, c'est ça qui est... Pas le fort Athéna. Oui, non, mais Wolf aussi, si tu précises pas correctement. Ah bon, alors. Le mec qui trash parce qu'il suit pas correctement l'histoire. Non mais ça va, on fait des efforts des fois. Hein. Désolé, non mais je te troll, Wolf, t'inquiète pas. Hein. Toi qui avais raison, c'est moi qui avais tort. On a, comme dirait un célèbre politicien à La Réunion, on a, elle est trop dure. C'était quoi? On a perdu la défaite. Mais on n'a pas perdu la victoire. Ah, il faut que je la retrouve. Le mec est mythique. On sait où on va là? Ouais, tu vois le David Jones dans Ah, le la ciel? tortue, la Oh dé. oui, oh la vache. J'avais pas vu ça. Ouais, il y a un Pas gros mal. poulpe dans le ciel, et ben c'est là qu'on va. On C'est quoi? Ah, va. Ouais, la tâche là-bas, c'est ça. On va sous le. Ce sont tous les canons qu'on a, mais vas-y, ta gueule, t'as même pas de bateau, toi. Qu'est-ce que tu critiques mon bateau? Hein? Hein? Jack Sparrow, foutez-le-moi à l'eau, il va nourrir les J'avoue requins, il me pète qu'il est les couilles. locataire hein, ici. Non mais ça va, ouais, il est locataire, monsieur, il est pas content, il voudrait nous faire payer les réparations, non mais ça va, hein. Tu vas ajouter des canons, bah tu t'achètes ton propre bateau, c'est tout. Mais dans le film, il fait que voler des bateaux. Non mais c'est ça, hein. Eh ben, allô. Hein. Parce que moi, j'ai pas envie de me faire voler mon bateau, moi. En plus, je me souviens très bien d'une phrase qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit? pour marchander les bateaux. En fait, c'est que il y avait les Britanniques juste à côté et il y avait des pirates. Dans Et Britannique, il y a Brita! Juste. Mais il y a aussi. Oui, qu'est-ce que tu disais? C'est plus Bah, il a intéressant. dit, ben, vous savez, Ouais, je bon, prends ce c'est lui, bateau en toujours. échange des Britanniques là-bas. Je vous les rends. Trouve un nom pour ton bateau, mais mon bateau a toujours eu le même nom. Mon bateau s'appelle le Méa. Parce que le Méa culpa! À gauche. Voilà. C'est une blague Pas de mal, très pas haut mal. niveau. Alors, Méa culpa en latin, pas en anglais. Ça veut dire, en anglais, on dirait my bad. En français, on dirait autant pour moi, pardon, j'ai fait une erreur. Mais donc, mon bateau s'appelle le Méa culpa. Et j'en avais inventé plein des blagues comme ça quand j'étais adolescent. Voilà. Ah, c'était ça. Écoutez-moi ce génie. Vous pouvez pas l'entendre, Quel mais. génie. Attends. Non, oh là, bandit un rocher tout droit. Faut peut-être. Vas-y, il est cassé le son. Aïe aïe aïe. Oh non, c'est bon. Ah si. Qu'est-ce que Alors, il y a un petit problème technique là. Monsieur, nous avons pas un tank, hein. Eh, le son il est cassé. Oh, c'était Moi ça. j'ai des téléportations. Attendez, je trouve le son de mon truc et vous allez voir. Comment ça se fait que j'ai pas de son sur mon Instagram?
You know, I've learned some new shanties here. I like the one with the cannons. Vas-y, loue le message. J'ai plus de son sur mon portable ou quoi là? Bon, vas-y, peut-être on va jouer un peu de musique là. En attendant d'arriver. J'aime bien la musique de Pirates des Caraïbes en fait. Dommage de dire qu'on puisse pas la jouer la musique de Pirates des Caraïbes. Peut-être un jour. Vas-y, je cherche ma musique, wesh. Non, c'est pas de la musique que je cherche. Vas-y, Flapcher, sors un petit instrument là. Oh là là. J'ai pas d'instrument. Comment ça, t'as pas d'instrument? C'est pas possible ça. Alors, on a le même temps. J'ai cassé Instagram. C'est scandaleux. Oh là, on commence à voir les yeux de David Jones. Ils sont un peu bizarres d'ailleurs. Ils sont verts. Ouais, je crois qu'on est plus très près, on est plus très loin là. Je crois qu'il est malade. On est plus très près d'être loin. Attends, mais ah voilà, c'est ça. On a payé la victoire, mais on n'a pas payé la défaite. Donc, on continue quand même ensemble. On m'a toujours dit, Mien Salim, on a payé la victoire, mais on n'a pas payé la défaite. Donc... J'aime trop. On a perdu la victoire, mais on n'a pas perdu la défaite. On n'a pas perdu la défaite. Ah, c'est de la politique à la Réunion, ça, les amis. Ah. C'est next level. J'arrivais trop tard, Jack Sparrow. Je suppose qu'il y a une vague ressemblance entre qui et qui. Oh, ah, le truc sort de l'eau. Eh. Ah, vas-y, ils nous font sortir un fort de l'autre. Ils sont revenus prêter leur puissance à Jones. Alors mec, si tu parles en même temps que je regarde des trucs, ça va être difficile. Et qui avons-nous là? Des marins oubliés. Ok, c'est bateau fantôme. Condamné par le pêcheur et naufrageux dans la mer des Danes. Moi, je connais la mer des Danettes. Il y a des caisses à droite. Alors, la mer des Danettes, c'est cool, mais que si c'est à la vanille. Ils mangent du réel, les gens, et j'ai promis le contrôle, blablabla, ils défendront la paix jusqu'à ce que j'en ai à gauche, tire. Canon. Vas-y, je tire à droite, à gauche, dans ton cul. Hop là. À droite. Alors ça va être un peu difficile de lire en même temps qu'il parle, parce que en même temps nous on tire. Ouais bon, pas un truc de pas très intéressant. Coup de chance, ta gueule, tu vas voir le coup de chance dans ta gueule. À gauche. Vite. À gauche, à droite, en haut, en bas. De toute façon il peut tirer aussi Jack Maro. Encore en haut, il faut qu'il serve à quelque chose. Hein. Pas grand chose. Hein. Ah, il y a des loot. Hein. Toi le loot. Des caisses de fantômes sûrement. Ah, tu m'amènes dessus et je vais aller chercher. Il y en a 10 000 des bateaux. Ouais. Vas-y, si tu veux du loot, tu me mets au-dessus du loot. Hein. Si tu veux pas de loot. Voilà. En vrai, on a cette boulette canon, mais on va récupérer plus tard si vous voulez. On peut voir ce que c'est. Bon, là pour l'instant, on va déjà essayer de tous les tuer, c'est pas mal. On va tous les tuer! Pokémon! Un Pokémon, c'est moins de 18 ans maintenant, il veut tuer les Pokémon! Salaud! Oh là, il y a un rocher en face, parce qu'on se le prend. Quoi le rocher? Et oui! Ah non! Oh oh, vas-y, oh, j'ai gâché un boulet de canon! Oui. Bon, je crois que je vise un peu optimiste. Eh, Jack, t'es. Yes. Jack, j'espère que ces boulets de canon à lui sont gratuits. Hein. Ouais, à droite. Et caisse à gauche. On me dit de laisser tirer Jack Sparrow parce qu'il tire très bien. Bon, effectivement, il est plus efficace que nous. Il est plus efficace que nous, on va le laisser tirer. Caisse à gauche. Ok. On a gagné. On a gagné quoi? Réparé. Oh, on a pris le boulet. Bah, il y a la... Je crois qu'on va réparer. Mastery over the sea.
Il est irlandais ou écossais, lui? Non, irlandais. C'est vrai qu'il avait un petit accent, là, surtout. Ouais, bah là, il a l'air écossais, irlandais. Mother of the Dead! Ouais, alors, c'est encore plus grand que la cornemuse de Raghetti. C'est qui, Raghetti? On s'est passé quoi, là? Ah, la statue, elle est en train de monter. Alors les mecs, dans le trailer, la caméra était ciblée sur la statue, donc c'était badass. Là, je regardais ailleurs, j'ai même pas vu la statue monter. Ah, il y en a plusieurs. Il y a deux statues. Oh, on fuck. À droite ou à gauche? On va prendre celle de droite. Ah, bah, 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 Je sais pas où est l'angle exact. Bah rentre. Ouais, bah rentre dedans. Okay. Mets-nous un peu plus à gauche qu'on puisse tirer sur la sirène. Ok. J'imagine qu'elle va nous faire des dégâts une fois qu'on est dedans, non? Oui. Ah ouais. À gauche. Non, c'est à droite ça. La sirène est à droite, pas à gauche. Les chats, venez plus près. Trop stylé. Ah bah c'est clair que c'est stylé. Ah, ça s'écroule. Bon vas-y Jack, moi aussi je veux jouer. Parce que... moi qui tire à Jack. C'est vraiment comme les sirènes dans la merde, mais version jaune. Ouais, bon bah elle est morte. Elle est morte, Jim. Ah, vous croyez que c'était tout ce qu'on avait? Bah non, on n'a jamais pensé que c'était tout ce que vous aviez. Tout va bientôt s'écrouler autour de vous. Alors non, par contre, le chat, nous on fait pas du backseat gaming. Hein. On n'est pas des copilotes du gaming. On n'a pas envie de savoir que vous, vous avez déjà fini les fables et que vous voulez nous guider, machin. On s'en fout, vous ne donnez pas de conseils, vous ne nous spoilez pas, s'il vous plaît. On fera ce qu'on a envie de faire dans l'ordre qu'on a envie de faire. Sachant que les statues, elles sont tellement grosses que de toute façon, on allait les défoncer. Ne vous inquiétez pas pour nous. On y arrivera très bien tout seul. Même dommage que je doive le répéter à chaque live. J'ai pas envie d'être spoilé. Même fou, ça. Voilà. Spoil, on va détruire les statues. Tu vas te prendre une baffe. Envoyer des requêtes à ton papa, je vais lui dire, vas-y, tire-lui 10 balles de airsoft dans les fesses, là, ça lui fera du bien. Vas-y, je tire trop mal, wesh. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Voilà. Ça ne change rien, mais il parle exactement comme Flemart. Les gars, vous avez pas à recycler les dialogues de Flemart pour les videos, hein. Il n'y a plus de budget pour faire deux fois les voir. Mais putain, mais Jack Sparrow qui arrête de tirer sur la statue et qui se met de l'autre côté pour tirer sur un spot. Jack Sparrow. Quel troll. Ouais, sachant que si on relâche nos efforts sur la statue, bah elle serait pas. Oh là, avec le gros pécule, je peux me passer. Bien, ouais. Je peux me passer de quelques navires, pas vous. Navire. J'ai joué encore. Il y a d'autres statues qui m'est arrivé. Bah non, en fait, parce qu'on vient de casser tes statues et tes bateaux, donc non, notre sort n'est pas scellé. Enfin... lumière dans les ténèbres, bah j'ai rien vu. The sea of the damned is a land of memories. C'est incroyable ton histoire. Des bons. Ce qui est considéré comme un spoil, c'est absolument très simple, Wolf. C'est tout ce que tu sais pour avoir vu ou fait la femme. Point barre. Même t'as tel achievement, si tu tues 5 sirènes, je veux pas le savoir. Tu fais comme si t'avais jamais vu cette femme, jamais fait. Et comme ça, c'est pas du spoil.
Vas-y, j'ai pas poulet. Vas-y. Les noix de coco, on peut les tirer sur les statues ou pas? Non. Elle est morte, Jim. Ah, j'ai eu un succès. Ouais, moi j'ai eu une augmentation de niveau. Je suis niveau 24. Ah man. Quoi? J'ai juste fait sur mon bateau, toi. Vas-y, du sang. C'est pas chez toi ici, hein. Je vais prendre la vie, moi. Il est fou, lui. On peut trop à l'aise, hein. Oh, y a un bateau, un vrai, là-bas. Là. What? Où ça? Ah, celui-là, là. Ouais. C'est le Hollandais volant, non? C'est pas le Black Pearl? Ah, si, c'est le Black Pearl, je pense. Ouais, parce qu'il nous aide. Donc, potentiellement, c'est pas trop le Hollandais. Ah, ouais. Ah ouais, putain, il nous aide trop bien. Vas-y, pète-lui les genoux. Là, pour moi, c'est full découverte. Ah, bah cool. On aura servi à quelque chose, au moins. Il ressemble beaucoup au Black Pearl. Oui, je pense que c'est le Black Pearl, sinon il nous aiderait pas. Le Hollandais volant nous aiderait pas. Collez-leur à la poupe. Ah, collez-leur au poulpe, ouais. Ah, lol, MDR. Pardon. Ouais, alors on survivra, t'inquiète. Je te survivrai. Il y a des crabes. Ouais, ça pique. Il y a plus de crabes. Il y a encore un crabe. J'étais électrocuté. Toi, tu vas descendre de mon bateau, espèce de pourriture. Crabiste. Que bon, désolé. Ouvrons-en un autre. Allons trouvant zoné. Hop. Moi qui croyais qu'il y aurait une statue de sirène, il y en a 26 000 et demi. Il y en a 75. 42. Il n'y aurait pas les ressources. Recharger les câbles. Mais mec, tu vas pas nous dire ce qu'on a à faire. Ça va, on sait jouer. Il est fou lui. Ils ont déjà rechargé, mec. Ah, mais ça va quoi. À droite, il y a un bateau. Il veut être vizir à la place du vizir. Vas-y, Snowboard. Yeah, I do not understand. Arrêtez d'essayer de les couler et coulez-les. Ouais, ils essayent. Je croyais que ça se passait bien là. Hein? À gauche, les bateaux. Non, mais d'abord, la statue là. Oui, mais. Ok. Vous faites gâcher mes munitions sur des bateaux qui caca là. Ah non. Meurs, statue des enfers. Vous approchez pas trop, c'est plus facile à viser si t'es collé à la statue. Voilà, regarde, t'as vu? Hein? Il donne des conseils de merde, quel capitaine en mousse. On lui apprend son métier. Ouais, un petit peu, ouais. C'est vraiment un capitaine. Vous pouvez réparer la cale, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est fait, t'inquiète. Non, on va laisser couler, c'est plus drôle. Ah, encore un petit succès, moi, de mon côté. Je sais pas si vous aussi. Ouais. Moi aussi. Un niveau au moins 36. Mais ceux-là, je crois que je peux pas les activer parce que dans les Tall Tales, j'ai pas débloqué moi la fin, donc je pense que je les verrai plus tard. Oh, ils seront déjà débloqués pour plus tard. Tant mieux. Je pense qu'il est c'est le Black Pearl qui a les dévoiles troués. Vous êtes et il est la pro du Black Pearl. Ça fait beaucoup de coïncidences. Mais oui, c'est le Black Pearl. This is a new world, David Jones. À droite, caisse. Caisse. Ouais. Vous ne la lâchez pas. Vas-y là, la caisse. Allez, je renonce. Pas en grève. Hey.
Elle lui dit que David Jones peut revenir ici. Bah vas-y, toi t'es en guerre, moi je suis pas en guerre. Hein. Nous sommes en guerre, le Covid nous a suivis jusqu'ici. Oh non. Oh non. Pas de pourparler. Pour parler, il connaît pas, il connaît Poul Palais, mais c'est tout. Ah mais vous nous faites chier, il n'y a pas de code ici. Ouais, il a un soit un accent écossais, soit irlandais. Du coup, nous, on a le droit de demander à pourparler. Pour parler, Bourpalette. Ah non, ça c'est pas le bon jeu. Je me suis canonné sur l'île le temps qu'ils finissent leur conversation. Les deux. Ouais, c'est bon là. En même temps quoi. Il ne restera personne. Pleurer sa disparition. Par la tristitude de la tristesse. Jack Sparrow. Non. Moi j'ai pas prévu de mourir. T'as prévu de mourir? Je trouve que je suis déjà mort, lol. Ah bon? D'ailleurs, en plus, je tiens à préciser, je suis pas l'ami de Jack Sparrow, moi. Juste, je précise. Pendragon! Il y a tout le monde, il y a le Morningstar, il y a le Pendragon, il y a tout le monde. Et ces bateaux-là, en fait, ah ouais, c'est nos potes, ok. Il y a le Wild Rose. Putain, je sais pas comment tu les connais tous. Hein. Le lore. Rose, c'est le Wild Rose. C'est une des fables, les deux amoureux. Le Morningstar, c'est celui de Slate, c'est une des fables aussi. Mais c'est aussi le lore du livre, donc Athéna. Et il y a Pendragon, ah, oui. Avec le Black Witch. Black Witch, je sais plus. Oui, ils vous ont il vous a suivi le Covid, il a déclenché la guerre. Salaud ! Covid, je vais chier tout le monde tout le temps. Alors, c'est mignon, hein, mais les gars, vous me criez en anglais avec le bruit de la pluie et tout, je comprends rien de ce que vous barguez. Je vous dis, les fables, il faut les refaire seuls, au calme, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est le pot, ça. Ah, vas-y, on a de nouveau la musique de Sea of Thieves, c'est fini, Pirates des Caraïbes, vous avez tous les droits. Ah, ça, 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 ça. Ça, ça, ça. On a plus le boulet après ça. On dit ça. Il me faudrait une caisse fantôme. Il y en a en face. On va tirer sur l'île. Ou pas. Ou pas. Douette. On doit tirer sur l'île. Ils te font des tirs télescopés. Ah ouais, on doit tirer sur l'île. Ah non, mais je suis une étoile filée à droite. Ils se tirent entre eux en fait là, les bateaux de chaque côté. J'ai envie de dire, Matt, j'espère que t'es à l'abri. Parce que si on doit tirer sur l'île, oh, trop drôle. Ah, à droite. Dans la merde. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Si. Faut pas tirer sur l'île. Mais vas-y, faut tirer sur l'île ou faut pas tirer sur l'île? Faut pas tirer sur l'île. Bah on tire sur qui nous? Sur les bateaux. Et qui tire sur l'île alors? En fait je pensais qu'il fallait tirer sur l'île. Mais ah bah bravo, tu nous donnes des mauvaises informations. Moi j'ai pas fait la femme moi. Ah bah bravo. On a plus de boulet de On va mourir. Ah mais par contre, ah oui, on a des petits coups là en cas. Ah ouais, gauche, grappin. Qu'est-ce que tu crois que je fais là? Que je tire des spaghettis? Bah, vu ma capacité à viser, j'aurais très bien pu tirer des spaghettis, ça aurait été aussi efficace. Je pense qu'il faudra aller sur l'île, à la fin sûrement. Il nous faut des victuailles. À droite. Faut tirer à droite. Non mais j'ai plus de boulet en fait.
Moi je veux bien. Non, non, vise les caisses d'abord. Tourne pas trop vite. Bon bah tourne pleine droite que je puisse avoir le. Avec le H maintenant. Tourne pleine droite. Mais non, mais tu changes de direction toutes les deux minutes. Maintiens ton cap et dis-moi. Ben. Ouais, je les ai vus. Quel génie. Ah, ça, elle est bien remplie en plus celle-là. Incroyable. On m'appelle le génie des océans et des sept mondes. Enfin, personne ne m'appelle comme ça, mais. Ça serait bien. Vous avez le droit. Vous avez le droit de m'appeler comme ça. Ça va faire un peu long quand même. Hein. Salut à toi, Achaya. Achir ou Achaya. Et bienvenue. C'est le bordel. Ce qui est drôle, c'est que pour le moment, il n'y a aucun joueur qui est venu nous emmerder. Et à ce moment-là, un galion de Reaper. Ah non. Mais n'empêche, on est déjà niveau 3 en émissaire, je sais pas comment on a fait. Ah, what? Oui, d'accord. Bah, ouais. Alors, c'est très simple. J'ai une explication. Yu-Gi-Oh! Je sais pas. Moi, je trouve des caisses comme des trucs, mais c'est vraiment c'est bizarre, je crois. Ouais, c'est très chelou. Peut-être ils montent les caisses, tu sais. Juste les caisses de ressources, ça nous fait passer. Bah, ça va. Et le fait de couler des navires fantômes. On fait la fable 5. Ah, si, c'est ah bah oui, oh putain, oui, c'est efficace. Je sais pas ce que tu viens de pêcher ou. Non, attends, couler des navires fantômes. On est passé 4, là. Ouais. Couler des navires fantômes, ça nous fait passer 4. Ok, d'accord. Bah continuons de couler des navires fantômes. Qu'est-ce que tu veux. Mais du coup, c'est pété. Si tu veux passer 5, ouais, tu fais tout le temps la fable. Tu fais la petite fable, tu te fais le début de la fable et voilà. En plus, c'est du combat, c'est cool. Pénétrons la flèche. Sans... Pas d'arrière-pensée. Hein, on connaît les gens. Et nous allons pénétrer la flèche. Flèche, c'est où? C'est l'île en forme de. De god michégien. Avec plein de pits partout. Pas forcément. Oh là 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 là. Ah ouais, là sur la surface. Nous devons aller dans la flèche. Je me suis dit. Faut peut-être baisser les voiles un peu là. C'est ce que je suis en train. Ah, je suis tombé là. Il y a juste la voile arrière à remonter un peu. Your fate is sealed. Oui, oui, bah alors, mon destin est tracé. Je vais te tracer ton destin, tu vas voir. On doit aller sur l'île. Non, je sais pas. Ils ont dit de pénétrer la flèche. Oh. Vas-y. Bah si. Attends, on tourne, il y a un rocher. Vas-y, tu peux tourner maintenant. Vas-y, il y a une sirène, wesh. Wolf qui dit pas d'arrière-pensée. Hein. Non, pas d'arrière-pensée, jamais. Personne. Ah. On pensait à des chocolatines, mais c'est à peu près. Mais la seule personne je sais plus lire. Je renonce. Vous êtes la seule personne à pouvoir mettre un terme à tout ça. Ouais. Allez où l'entrée. Vous pensiez que j'allais laisser ma flèche sans protection. Va à gauche, on va se mettre entre l'équipe. À droite. Ah, il y a quelqu'un qui vient de finir le fort niveau X1000. Donc ça veut dire qu'il y avait des joueurs occupés. Alors je pense qu'on peut monter par là. Attention en grimpant. Ouais, vas-y, grimpant. Il y a du lot. Ok, il faut. En fait, il faut descendre du bateau et crapahuter le long de la flèche. La randonnée pour aller en haut du volcan, lol, la lumière. Que c'est pas vraiment un volcan. Bonjour les gens qui tenaient des bougies, vous êtes très mignons. Non, je vais pas y arriver sur. Oh non, dommage. Et je vais tomber sur le rocher en plus. Ah, vas-y, il y a des épreuves de plateforme et tout. Vas-y. Ça va bien se passer. Peut-être. Vas-y, je dois aller avec où, le canon là, et c'est sûr qu'il y a moyen de skipper. Ah oui. Ah pardon. J'ai. Ah si, il y a un endroit pour se garer. Je suis allergique aux abeilles. Oh, un gros moustique. Merci, je sais que Calypso a dit d'aller sur l'île, j'y suis. Je te conseille de rafraîchir, Wolf, t'as peut-être un peu de décalage avec le live.
Spire Mate. Vas-y, je suis en train de travailler, t'as vu. L'escalade, c'est du parcours. Moi, je suis un Yamakaki. Hein. Tu vois, t'as vérifié s'il y avait des trous dans la coque ou pas? Y'a pas d'eau. Je vais y aller de toute façon. Vérifier, ouais, t'as raison. Je pas, ouais. Vas-y, arrête de boire, mec. Oh non, oh, quoique. Eh non. Ce soir, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Vas-y, je monte, c'est de l'escalade. Non, mais je l'avais vu, la cascade, Wolf, t'es gentil, hein, mais quand même. J'ai des yeux. On sait. Je vais taper par des sirènes, en plus. Comme, en fait, quand je disais pas de backseat gaming, ça veut dire on veut pas faire les copilotes, laissez-nous nous débrouiller. Pourquoi je dois descendre par là? Ah, est-ce que je vais l'avoir? Oh non! Oh, j'étais tellement proche, je suis dégoûté. Bonjour madame. J'y suis dans la flèche, c'est toi qui n'es pas une flèche. Je monte. Pas un chocolat, nous dit Gungun. Salut Gungun, ça faisait longtemps, DM. Ok. Non, j'ai trouvé un bouquin. Les gars vont le casser, là. Nous, on a dit pain au chocolatine. Donc, c'est une longue baguette avec 4 pains au chocolat dedans. C'est peut-être très bon, c'est peut-être très mauvais. Mais maintenant, j'ai envie de le faire. Un jour, je créerai le pain au chocolatine. Yes. The yes needs the no to need to win. C'est qui toi? Vas-y, il y a un anglais, wesh. Tu leur as fait le choix du lieu et du moment où ils ouvriront leur ultime bataille. Alors, j'ai réussi à me canonner quelque part, mais je sais pas où je suis. Ah, si, c'est moi, j'ai trouvé. Wouah! Je me fais agresser par des fantômes, wesh, les gars, dépêchez-vous! Vous êtes tout là! Ouais, t'es là? Poumette. Ah, toi, t'as pris un raccourci, toi, un peu, non? Je suis mort. Bah ouais, je me suis canonné dans le truc. Bah vas-y, bravo. Mais non, fallait pas te partir tout de suite, j'aurais pu te revive. Ah merde. Ah, c'est vrai, putain. J'ai pas pris de vie, je suis un abruti. Ouais, je suis un ancien, j'ai pas l'habitude de me faire revive. Bah ouais. À l'époque, on avait pas ça, nous. Hein. Ouais, de mon temps, on pouvait pas revive ses camarades tombés au combat. Tu mourais, c'était fini. Ah, vous avez la belle vie, vous les jeunes, maintenant. Hein. Vous pouvez, au milieu du combat, tu te revive. Hein non, notre époque, c'était pas comme ça. Hein. Nous, tu mourrais, le jeu il se désinstallait et ton PC il cramait, hein. Ouais, c'était fini. C'est insta death, les amis. Vas-y, les fantômes là. Pourquoi les Anglais ils m'attaquent? Pourquoi les Anglais ils sont avec David Jones? Ça n'a aucun sens. J'imagine que l'ami de mon ennemi. Pas mal, j'ai respawn dans la tour. Pas mal ça. De toute façon, tu sais quoi? J'apprécie. On a perdu la défaite, mais on n'a pas perdu la victoire. Bonjour. Vas-y, je te défonce. Pourquoi il y a le boss des Anglais là qui nous regarde faire sans rien faire? Parce que c'est un con. Et lui, il a dit aux gens de voter Brexit et ensuite il fera rien du tout. Comme ça que ça marche. Mais Drake, j'y pense, mais avec cette mage, il y a les fantômes, les crabes, les fables. Mais le gros d'avoir. Le nouvel événement avec les bateaux fantômes, enfin bref. Tu vois les 2 ans de contenu qu'on n'a pas eu? Ils sont là. Ouais, c'est badass quand même. Donc du coup ils sont pardonnés plus ou moins. Ouais, vas-y, défonce la gueule. Et oh, la foudre. Non mais ça va, la foudre c'est déjà des snipers. Alors si en plus vous en faites des snipers. Toujours plus. Ici, ouais, les fantômes, la foudre. On veut pas que les joueurs prennent du plaisir à jouer à notre jeu, hein. Ouais, c'est ça, on n'est pas venu là pour surprise. Ah, c'est des tonneaux. Ah, vas-y, tu crois que je les ai pris pour des corbes de muse? Vous avez vu les tonneaux, hein? C'est juste que j'avais pas le temps là, moi je suis occupé à combattre des fantômes pendant que toi tu regardes le contenu des tonneaux là. Vas-y, merde. Bah, quoi que des fois les éclairs ils tuent les fantômes, donc bon. Ouais, hein, on va pas se plaindre. La clé! Oh, stylé. Bref, bon live, bonne aventure à vous tous, et j'évite tellement que j'écris plus bien. Bonjour tout le monde, je fais un coucou rapide et j'évite de trop écouter car je veux pas être spoilé. Salut à toi Gungun du coup. Ciao. Et enfin, je trouve votre cœur. Mais c'est pas un cœur ça. Ça y ressemble pas. C'est un cœur ça. C'est une chaîne. C'est un cœur en métal. Un petit Oh là. Ah mais c'est Calypso qui nous aidait. Les éclairs c'était Calypso.
Elle est en train de le décoincer, wesh. Et ça se prend, ça. What? Ok. On se casse. Il est où, mon bateau? Non. Je vole. On va prendre le truc? Non. C'était le cœur. Je pense pas qu'il faille le prendre. Mais ça servait à quoi? Elle le tue. Salut, Slap Knight. Elle tue Davy Jaune. On peut sauter sur le bateau depuis le... Yes. Ah, t'as trouvé le bateau, toi? Mais pourquoi je saute toujours du mauvais côté? J'en ai marre! Ouais, ouais, bon, attends, bah tu vas venir et dis-toi là, je suis atterri sur le mât tout en haut là, la petite plateforme. Ouais, vas-y, flex, j'ai une connexion internet et rapide, ouais, moi je sais où est le bateau. Ça va, c'est bon là? Bon, après, ce que je dis pas, c'est que j'ai failli me crever quand même. Mais pas grave, c'est pas important. Ah, regarde, il est là-bas, à ça, tout là-bas en train de nager. Vas-y, pas un problème. Moi je te casse les genoux. Mais j'ai vu le bateau, il a bougé d'un coup là. Alors j'étais en haut, le bateau il a bougé d'un coup, du coup ça m'a fait tomber. Ouais, j'ai vu, d'accord. Ouais. D'accord. Il était d'accord. Projeté. Oui, c'est quand tu. J'étais le dernier, hein. J'ai sauté et ça y est, boum. Vas-y, tu vois, moi j'ai sauté du bon côté, du mauvais côté, je suis quand même là avant Fletcher. Alors moi aussi je peux flex, hein, wesh. J'avoue, Fletcher, pas d'excuse. Fletcher il anti-flex lui, il flex à l'inverse. Il arrive sur le bateau, il est là, je suis dernier. oui, ça va bien, Splat Knight et toi. Bon, elle s'effondre la flèche ou... Que là... Quand elle veut, hein. Elle est prête... Le Dutchman est encore le plus fort. Tu vas voir, je vais te montrer le brigantin le plus puissant de la mer, moi. Sauf fantôme de mes... On va te plier en 6. T'es où? Où te cache-t-il? Il est à droite. Ah mais merci. Je posais la question quand il était pas encore là. Maintenant je le vois. Hein. Enfin, je veux dire, il est un peu gros quand même. Hein. Vas-y. Vas-y, il a défoncé notre mât. Non mais le mec il tire des salves de 3 boulets de canon d'un coup. Est-ce que c'est pas du cheat? T'imagines le mec qui reporte. Je jouais à Sea of Thieves quand tout d'un coup je suis tombé sur un cheater. Le mec il tirait 3 boulets de canon d'un coup. C'est pas normal. Non mais en fait c'était la fable. C'est normal en fait. Réparons la mature. Elle est mature. Hop. Oh là là. Je vais réparer. Eh mais il nous casse les cacahuètes lui. Elles sont bien salées les cacahuètes au passage. Oh là là, je pensais encore pouvoir l'emporter, je sais pas, ça dépend. Vous faites la livraison à domicile, sinon c'est plus pratique. Hein. Moi je prends. Hein. Alors, si on peut l'emporter, je voudrais un double Big Mac, des frites, un coca et un milkshake s'il vous plaît. Wolf il était en train de kiffer la musique, mais avec toutes les conneries que je raconte par-dessus, je vais pas les kiffer longtemps, c'est un crédit. Mais c'est la musique de Pirates des Caraïbes. Faut que je les écoute, faut que je trouve la playlist. Pourquoi il y a Matt là-bas? Bah pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est normal. Tu sais, c'est l'été. Il fait pas souvent beau. Là, ça va, il pleut un peu, mais la mer est chaude. Il est parti se baigner, moi je trouve ça normal. Hein. Mais c'est pas notre peinture. Non mais en plus, on stocke pas les gens, quoi. Enfin, qui veut? C'est bon. Mais à ça, t'étais pas en train de mitrailler notre pote? Je suis en train de mitrailler quoi? Notre pote, le bateau, là. Non, au début, je mitraillais bien le Hollandais volant. Ah, ok. Ce sera, bientôt le Hollandais sous-marin. Ou le Hollandais fumant. Et on sait très bien ce que vous faites à Amsterdam, hein. Et un sniper Assassin's Creed, je tire pas mieux. Ça dépend des fois. Oh, le rocher, on se prend. Oh putain. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas du tout. Aujourd'hui c'est 50-50. Là ça allait. Vas-y, tu peux tourner à droite, Fletcher. Le Hollandais coulant, c'est ça. On va une vitesse là. Alors, on est sur un brig, wesh. On va vite sur les brigues. C'est vrai. Allez, défoncez-moi le Hollandais qui cheat là. Le Hollandais cheater. Là. Là t'es optimiste là un petit peu. Hein
Non, t'es peut-être pas si optimiste que ça. C'est qui tire, Matt? C'est moi. J'allais dire, vu comment il vise, c'est Jack Sparrow, mais non, c'était Matt. Il va l'avoir! Il va l'avoir! Ou pas? Ah, j'ai plus l'angle. Écoutez, j'aurais des popcorns, je vous en ferai des popcorns. Mais franchement. Ok, non, c'est bon, on peut trouver le droit. Droite. Ah, mais c'était notre pote, celui-là, non? Non! Oh, le houle! Oui, là, c'est le Black Pearl qui vient de sortir. Ouais, mais je comprends bien, non? Bah, ouais, ils jouent tous des fantômes. Bon, on n'est pas fantomiste, mais quand même, c'est dur de les reconnaître. À un moment donné, bon, en fait, c'est simple, il suffit de tirer sur le seul bateau qui n'est pas un bateau fantôme. Et, bah, non, parce qu'il y en a deux des bateaux pas fantômes, du coup, il y a notre pote et l'autre. Mais le Black Pearl, il a l'air un peu fantôme, genre, il a des trucs verts et tout, il brille un peu, tu vois. Le Hollandais volant, bah, il vole même pas, donc son nom n'est pas normal. Préparez-vous à jeter l'encre, mais c'est toi qu'on va jeter l'encre dans ta gueule. Ouais, l'encre, on va mettre la tête à sa place. On reste. On va se prendre un rocher là. Attends, moi je suis trop occupé à texter en même temps que je conduis, donc. Apprends à gauche, Fletcher. Parce que là, ouais, il faut quoi que. Non, on va à droite en fait. On va à gauche. On va à droite. À droite. À gauche. Il a bu, c'est simple de reconnaître le Hollandais. Mais vas-y, tu vas te calmer, Wolf. Parce que même moi je le reconnais pas, tu sais, la licence Pirates des Caraïbes, moi je l'ai vue quand elle est sortie. C'est-à-dire il y a... C'était un temps où les dinosaures marchaient encore sur la Terre. Où il fallait lutter pour son petit morceau de viande contre des tigres à dents de sabre. Un temps. Bref, en gros je suis vieux. Moi le Hollandais volant je le reconnais pas, hein. Je suis pas en mode... Écoutez, s'il a 5 canons et qu'ils font à peu près 67 cm de long, je peux vous dire que c'est le Hollandais volant. Oui. Non, mais là, on le reconnaît bien. Ah, il nous fonce dessus! Il vient pour nous! Est-ce qu'on peut monter à bord? C'est une très bonne question, ça. Le Hollandais volant ne s'incline devant personne. Bah, en même temps, c'est un bateau, il peut pas vraiment s'incliner. Il est plutôt classe, hein, quand même. Ouais, plutôt. Non, mais en vrai. Si on pouvait avoir ses vols. En vrai, c'est vrai qu'on peut le reconnaître. Mais, voilà. Juste qu'on est un peu con, écoute. Ce qu'on peut, nous, hein. C'est-à-dire pas beaucoup. Eh ben, il y en a des trous. Oh, cool! Des trous. C'est juste des aérations. Hein. Parce que sinon, la cale, elle pue, après. Bon, trois pirates qui ont pas pris de douche depuis au moins 10 ans dans la même chambre. Je veux dire que c'est chaud. Hein. Au revoir. Bon vol avec Air Pirate. Air Cannonball. Air Pirate, nous ne sommes pas sûrs que vous arriverez à destination en un seul morceau, mais le voyage sera chouette. C'est le meilleur slogan de compagnie aérienne du monde. Le voyage sera chouette jusqu'à ce que tu meurs. Oh la grande. La cale, elle s'emplit vite, hein. Ah, mais t'es déjà de retour, toi? Eh oui, bah j'ai pris la petite sirène. Mais vu la vitesse à laquelle tu charges, t'as un PC triple gamer, c'est pas possible. Oh la grande. Vas-y, il nous lâche des vagues de trucs qui nous déstabilisent. C'est scandaleux, madame. Par contre, on reste pas assez longtemps à côté de lui, là. On est dans la même direction que lui, en fait. C'est dur, la navigation. Moi, je peux pas faire les voiles. Oui, mais attends, ce que je veux dire, c'est que... C'est le problème, c'est qu'on se croise. Il faut que t'essayes de le suivre. Tourne à fond à gauche, Fletcher. À fond à gauche. Non. T'inquiète, Snap Knight, je le titille. Non, mais on se titille tous les deux en même temps. Quand je vous troll ou que je vous casse, entre guillemets, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment juste pour le lol. En plus, je crois qu'un des lives où on s'était plus le plus marré, c'était quand on se trashait. Quand on trashait le live. Il y a une pluie de boulets de canon qui nous arrive dans la gueule. Ça s'est raté.
Tu vis de YouTube? Absolument pas, Slapper. Lol. Alors, YouTube, je touche très précisément 18 pounds par mois, les bons mois, hein, les mois où j'ai des vues, le mois où je sors des vidéos. Donc, 18 pounds, pour être très précis, c'est à peu près 22 euros par mois. Je ne vis pas du tout de YouTube. Pour réparer la barre. Ma chaîne est. En vrai, c'est tu vas pas vivre de YouTube avant d'avoir au moins. Je pense que tu peux commencer à avoir de l'argent vraiment de YouTube qui soit stable. À partir de 50 000 abonnés, je pense que tu peux commencer à vraiment bien en. Enfin, à te faire un petit salaire à partir de 100 000 abonnés, mais avec mes 4 000 abonnés, non, je vis pas de YouTube. Et. Ah, il y a un petit bateau pirate, il y a un petit sloop. Non, squelette, pardon. Surtout que dis-toi là, regarde, on est 4 pendant le live, c'est vraiment pas des stats de ouf. Donc non, je ne vis pas de YouTube, je suis designer d'expérience utilisateur ou product designer, donc designer de produits dans une entreprise. En fait, on a plus de boulet de canon. Vas-y, c'est dans les caisses en haut. Vas-y, c'est toi le boulet de canon. Et donc voilà, c'est ça qui me paye et qui me permet de vivre. Et comme je vis à Londres, je peux te dire que de l'argent, j'en ai besoin pour vivre. Parce que Londres, ça coûte la peau du cul. Enfin, je dis la peau du cul, mais en vrai, ça coûte la peau du cul, du visage, de tout ce que tu veux. Londres, c'est cher. Il n'y a plus non, la... Ah, si, Evil Squid ne vit pas du tout de YouTube. Evil Squid est ingénieur dans le nucléaire. Donc, à mon avis, sa paye d'ingénieur dans le nucléaire paye beaucoup plus que ce qu'il pourrait avoir sur YouTube. Tant qu'il n'a pas au moins 200 000 abonnés. Je ne vis pas à La Réunion, non, Wolf. C'est Fletcher qui est à La Réunion. Moi, je vis en Angleterre, je vis à Londres. J'ai vécu à La Réunion plusieurs fois. Val vient de La Réunion, Fletcher est à La Réunion, mais moi, je ne vis pas à La Réunion. Je voulais retourner vivre à La Réunion quand c'était le Covid, la merde, et que j'étais au chômage. J'étais en mode, bah, tu sais quoi, j'en ai marre de Londres, on se casse. Mes parents vivent à La Réunion. Ils sont repartis vivre à La Réunion. C'est cool. Et les parents de Val sont à La Réunion. Londres, ça coûte excessivement cher, oui. Enfin, quand tu vois que rien que le métro, pour faire 3 zones sur les 7, ça coûte... maintenant, ils ont encore augmenté les prix. Donc ça coûte 170 pounds, donc 190 euros par mois. Juste pour faire la moitié du réseau de Londres. Et ils sont clairement pas trop chiés. Ah ouais, non, c'est scandaleux. En plus, ça marche jamais, c'est toujours en panne. Il y a un petit trou dans la cale, je sais pas si quelqu'un est OP pour le réparer. Vivace, il est où? Là on est plutôt bien par rapport au bateau, on peut en même temps pouvoir le canarder. Donc oui, ça c'était juste les transports en commun, Wolf. Hein. Une maison avec une chambre et demi. Une chambre et demi en dehors de Londres. Je dis bien en dehors de Londres, on est à au moins une heure de Londres. C'est 1450 pounds par mois. Et internet, c'est 50 pounds par mois pour un internet qui est bien plus à chier que ce qu'on a en France. J'ai 60 mégas. Hein, et encore, c'est considéré comme très très bon. Putain. Donc non, à Londres, c'est excessivement cher. Tout est cher à Londres. Oh, il a explosé. Mon petit boulet de canon, le petit boulet de canon qui l'a fini, tu sais. J'ai tout vu. Moi, j'ai tiré au pif. Il a explosé. Là, ça rappellera de bons souvenirs à Mezrak. J'ai tiré dans la cave du capitaine pour leur dire bonjour et ils ont explosé. C'est pas ma faute s'ils ont des tonneaux à bord. Hein. J'ai rien fait, moi. Vas-y, on est niveau 5. Ah, c'est rapide pour passer niveau 5. Ouais. Attends, Calypso, par contre, t'es en train de nous niquer, là. Nous, on a fait ça pour les trésors, on n'a pas fait ça pour l'amour de la liberté, hein. Il est où, le trésor? Donne-nous des trésors. S'il te plaît. Je refuse la défaite. Mais je suis pas sentimental, en fait. Moi, j'étais là pour les trésors. Donnez-lui sa compote, bébé, il pleure, là. Il est mort, Jim. C'est vrai que ça faisait un peu cet esprit-là, ouais. Non, mais alors, je veux bien qu'on soit battu pour notre liberté. Mais non, enfin, la liberté, c'est cool. Mais le trésor, il est... Le trésor, maintenant. Hein? Le... Bah, attends, je crois que ça... Ah, bah, regarde, c'est en train de s'enfoncer, le truc. Non, mais le trésor.
Non mais en fait, nous on n'est pas là pour la liberté. C'est bien, mais la liberté ça paye pas, hein. Nous on est au chômage, on est des pirates les mecs. Si on n'a pas d'argent, on peut pas payer le loyer du bateau, hein. Non ? Juste comme ça, c'est fini. C'est vrai, c'est triste. Moi j'ai un bruit de jacuzzi en fond parce que le bateau croit toujours être en train de couler, donc j'ai un bruit d'eau. Bah c'est quoi le bateau qui monte là ? C'est Black Pearl. Allons lui dire bonjour. Il va peut-être nous donner des trésors. Bah je ne dis pas non. Le mec est focus. Vas-y mec, tu te donnes de l'or ou on te pète les genoux. Vas-y, donne-moi. Ou c'est le hollandais, je sais plus. Non, ça c'est le Black. Ouais, oh, c'est un bateau. C'est le Black Pearl, c'est marqué. Je sais pas lire. C'est facile quand le nom apparaît à l'écran. Oui, c'est Black Pearl. Vas-y, on va lui foncer dedans. Abordez-le. Est-ce qu'on peut trahir l'alliance et leur voler leur loot? Possible ou pas? Après, je pense qu'ils sont peut-être plutôt chômage. En chômage aussi. Putain. Eh ouais. Quelle c'est la crise chez les pirates, c'est galère. Quelle bande de flancs, tout le monde est au chômage. Ah bah bravo, je ne félicite pas. C'est quel skin de bateau celui-là? Enfin, avec tous les trucs verts et tout, non? C'est les bières. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le bateau histoire. Le plus amical que j'ai, avec des bières sur les voiles. Bon, c'est l'heure dedans. Hein. Abordez-les! C'est des trésors, ça. Ah, il brille celui-là. Ah, c'est un trésor. J'ai pris un chest. Oh, bah le sniper, ouais. Ouais. Il a dit. En mode, vas-y, ça je le veux, je le prends. Salut à toi, Wolf. En vrai, le grappin, ça va, je commence à bien maîtriser maintenant. Une fois que t'es habitué, ça va. Hop là, bon, je passe sous le bateau. Pas une échelle, ça, ah si. On a baissé les voiles du nôtre, ouais, nickel. Ah, ils ont pas la même structure que nous. Non. Ah non. Oui, c'est vraiment le bateau du film, donc, putain. Ouais. C'est énorme. Il est mort, Jim. Il est mort, Jim. Young man, I believe your questions are about to be quite conclusively answered. Bon. On peut avoir des réponses. What? Oh. Ah, c'est le ferryman. Vas-y, il m'a poussé, j'étais devant et il m'a dégagé en mode. Bien fait. Chier! I believe it is now safe to return this treasure to the hands of one who died defending it. Ouais, enfin un peu fait de la merde quand même. I have weighed the worth of a million souls, and yet I misjudged you. Non, il a quand même fait de la merde. Hein. Moi je pense. Il va le planter pour le ramener à la vie, tu sais. Reviens la vie. On est des morts pour mourir pour vivre. C'est logique. Facile. Je vais faire ça la prochaine fois. Je vais me suicider dans le monde des mers. Life. Ah, oh, pas mal. Ah, life. Hein. Oh, bah dis donc. Et lui aussi fait des jeux de mots. Ça t'es enfin vivant, toi. Tout est au... T'es sûr que tout est au bon endroit. Hein. Mm-hmm. Ah, c'est nous qu'on a tout fait encore. Hein. Free refreshments and some grand adventures out and about on this freshly saved sea of thieves. C'est déjà gratuit. Remember Jack, you made her a promise. À qui? Oui, nous donner de l'argent. C'est ça. I have some unfinished business that must unfortunately take precedent over any revelry in the immediate futurity. Tu veux dire nous donner de l'or? Ouais, je suis d'accord. Ah, je kiffe comment ils ont refait le bateau du film, c'est énorme. J'adore. Ouais. Je kifferais qu'on puisse justement choisir le type de bateau qu'on veut. Ça serait drôle. Moi je prendrais un bateau asiatique. Tu as accès à plusieurs types de bateaux.
Ouais, on aurait pu l'intérêt au trou au pirate légende, quoi. Tiens, je te défonce, ouais. Ah, il y a un petit gare, enfin, il y a une sorte de bug entre guillemets. Si on étale la lanterne ici, ça enlève pas l'effet de lumière. Je vais donc de ce pas porter plainte. Remboursé. Je parle super bien anglais, oui, à peu près bien. C'est pareil, en anglais, tu la traduire instantanément, c'est que ouais, t'es plutôt chaud. Non, là, j'ai lu en français, j'avais la flemme de traduire instantanément. Ah, t'as joué en français, toi? Ouais. Okay. J'ai basculé récemment. Ah, je pensais que t'allais tuer en anglais. Je le faisais avant, mais ça demande trop d'efforts de parler, de traduire, ouais. De suivre le jeu. Ah, ouais, c'est clair, bah, c'est clair. Je peux, globalement, mais. Vas-y, wesh. Quoi? Il nous a tiré dessus. Ah, mais notre bateau nous a foncé dedans. Il est fou, lui. Ah, c'est moi qui ai tiré dedans. Ouais, c'est ça, j'ai entendu un coup de canon, je peux pas rêver. T'as tiré dans quoi? Oh. On peut tirer sur son propre bateau. Bah, bien sûr qu'on peut tirer sur son propre bateau, tu découvres ça après 3 ans, toi. Il est tiré sur son propre bateau. Bon, il se passe quoi maintenant? Mmh. Bah, argent. Argent, s'il vous plaît. Argent, s'il vous plaît, argent. De l'or. Des livres qui débloquent des achievements. Mais je vais te casser les genoux. Tu crois qu'on est là pour lire des livres? Il est où l'argent? Argent, s'il vous plaît. Argent, s'il vous plaît. Est-ce que c'est argent, un livre super rare? C'est à trouver. Faut trouver 5 bon. Dans le bateau. Non, il faut qu'on monte sur notre bateau. Pourquoi? Bah, il a dit backed. Enfin. En gros, il a dit vous êtes là, y a un livre, sur là. Votre bateau et tout. Vous avez, donc, si vous on veut continuer la fable, vous allez lire 5 livres sur le bateau. Ah, il y a 5 livres à lire. Oui, j'en ai trouvé 2. Ah bah je veux. Ah ouais, bah je veux. C'est pas long pour les lire aussi. C'est pour te forcer à visiter le bateau. Vas-y, tais-toi, on lit des livres. Ils sont où ceux que vous allez. Il y en a un à l'arrière du bateau sur une rambarde. Ah ouais, en effet. Ça c'est un canon, ça se lit pas. Allez, le but c'est de trouver tous les livres. Ah j'en ai un, à l'arrière de la cave. Ah, je l'ai loupé. Ah bah oui, bah, peut-être je l'ai posé par terre. Qui pose des livres par terre? Aucun respect. Et la littérature, elle mérite un peu mieux que ça. Hein. Il faut surveiller. Pas un autre, quoi. Non, pour moi, non. Non, qu'un dernier, moi. Bah vas-y, tu partages pas. Matt, il dit où ils sont, hein? Lui, là, il m'en manque un dernier, il ne dit même pas où ils sont. Notre livre, Fletcher. Petit con, va. côté du gouvernail. Ah bah, on te dira pas où est le dernier, hein. Il partage et pas et ils tout. Ils veulent pas avoir nous, vu comment on est doué. C'est ça. Non, mais l'autre, il joue solo, quoi. Ouais, on voit bien. Bah, déjà, il y en a deux à côté du gouvernail, en fait. Bah, ouais. Ah tiens, bon. On a fini, okay, nous. C'est bon. Voilà. Et ouais, Fletcher, t'es en retard. Hein. Voilà, on se barre maintenant. Et voilà, le petit succès, merci beaucoup. Vas-y, on se casse. Ah oui, c'est... On l'abandonne. Voilà. Où est le trésor du Black Pearl? Non mais Jack, si on veut garder ton navire, on le garde, hein. Ah, il est en train d'essayer de nous dégager là. Ouais, c'est notre navire, hein. C'est un peu nous mais qu'on t'a sauvé. Mais c'est vraiment pas mal, je trouve, qu'on puisse changer de type de bateau, quoi. Ouais. Et nous qu'on l'a on sauvé, alors, type, quand même. Hein. Type classique, et puis dès que t'es pirate légende, t'as accès à plusieurs types de bateaux, des trucs comme ça, quoi. Bah ouais. Cool. Parce que c'est vrai que moi, je trouve que le pirate légende, il n'y a pas énormément d'intérêt, quoi. À part les cosmétiques et les Athénas. Et ouais, encore. C'est pas ouf. Bah, de toute façon, non. Je pense, et j'espère, que la prochaine update, ça va être sur le légende, quoi. Et plus que nécessaire. Bon bah on est riche les gars. On a fait fortune. On a on a un petit coffre en or et où sont les trésors? C'est ça qu'on veut. Où sont les femmes? Non, les trésors. Bah du coup allez, hein, c'est on va se on s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? Partons à la recherche de trésors les amis. Mais vas-y tais-toi. On a encore le bouquin nous. Et du coup là c'est on a fini là? Bah j'ai l'impression.
Est-ce qu'on n'a pas eu de trésor, c'est un peu dommage. Vas-y, il y a une meuf qui chante, elle est où, elle? Ah oui, dès qu'on se barre, il commence à faire la pète. Merci, les gars. Eh, les gars, est-ce qu'on pourrait changer de radio? Elle est nulle, celle-là. Ah. Bye. Goodbye, les amis. Au revoir. On va faire coucou. La lumière blanche, c'est là, il faut y aller. Bye bye. J'ai vu la lumière. À gauche. Non, c'est pas du tout la lumière blanche. C'est de la lumière jaune. Et c'est un coffre. C'est un coffre. Ouais, c'est un coffre, c'est ça, rien. Il se barre. Il s'en va. C'est ça dont tu parlais, Fletcher. Il nous abandonne. Non, non, elle vient d'apparaître, celle-là. Ah, ok. Il se barre sans nous. Attendez-nous. Nous aussi, on veut aller en Californie. Vas-y. Moi, je veux aller en Californie aussi. Elle complète. Bah ouais, bah merci, mais l'argent. Ouais, il est où, l'argent? 8000 pièces d'or. C'est tout? Ouais, c'est scandaleux. Et 4700, je sais pas combien. On est niveau 5. On est niveau 5, il fallait au moins multiplier par 10 notre récompense. Au moins. Au Allez, moins. On va vendre. Vas-y, je te... Non, on va pas vendre tout de suite. On a rien à vendre. Qu'est-ce que tu veux aller vendre? T'as pas suivi? On n'a pas eu de trésor. On a rien à vendre. Rien du tout. Si, il y a ça. Non. On a rien à vendre. Rien. On a un petit... Oh oui, mais regardez, on a un petit coffre. Regarde. Ah si, on a ça aussi. Ouais, y a le coffre. Regarde, tu sais ce qu'il y a dans ce coffre? Tu sais ce qu'il y a? Hein? Les cendres de mon poisson rouge. Tu crois que ça vaut combien? Eh ben, ça vaut rien. Voilà. Allons chercher la quête des niveaux 5, des émissaires niveau 5. Au moins, on aura de l'argent, peut-être. Hein? Ça prend du temps à faire? Aucune idée. Mais ça prend du... On chopera 3 trésors jusqu'à ce que l'un de nous s'en va, et puis voilà. Ok, ok. T'auras le droit de partir quand t'as envie, pas de problème. Ouais, non, t'inquiète, c'est... je demandais au cas où si tu l'avais déjà fait. Ça doit prendre moins d'une heure en général, si on est efficace. Okay, bah, donc 6 heures, c'est vrai que c'est cool, à peu près. Prévoyez 6 heures, ça va bien se passer. Alors, il nous faut un avant-poste par contre, sinon ça va très mal se passer. On est en train d'aller vers un avant-poste là. Je nous ai mis. Non, mais le mec, il sait ce qu'il a à faire. Hein. Il arrive, pop pop pop, direction l'avant-poste. On va se prendre une île là par contre, non? Attends, remonte sur la map. Attends, depuis quand ils l'ont renommé lui? Ah ouais, on est en plein dans une île. Mais non. Oh putain. C'est... On aborde une île. Une île, un petit caillou. Ah ouais, mais en fait avec le brouillard on voit rien du tout, c'est abusé. Ouais non, le brouillard c'est assez bien. Là on a toutes les conditions réunies. Ouais, et de deux. Mais non, pas et de deux, c'est la même. On l'a juste percuté plusieurs fois, ça va. Mais il faut leur faire comprendre aux îles qui c'est les boss de la mer. Mais tu la connaissais, la blague, qui n'est pas vraiment une blague. Je crois que je l'ai déjà raconté en live, justement, où c'était un navire américain, un navire de l'armée, qui était là. Navire non identifié que nous avons sur notre radar, veuillez changer de course. Je sais plus comment on dit en français. Ah, le phare, là? Ouais, en fait, c'est un phare. Et les Américains sont en train d'insulter les Canadiens en mode... Changer de trajectoire. Les Canadiens, ils sont là à la fin. Non, mais en fait, on est un phare, donc on peut pas vraiment changer de trajectoire. Donc c'est un peu la même chose. Les îles, faut leur expliquer. On a la priorité, les gars. Changer de trajectoire. Dégage! Tu te pousses! Tu fais pousser un volcan et tu migres! Dégage! Pas compliqué, bordel. Non, mais c'est quoi ces îles, là? Faut leur apprendre la vie et tout. Un peu léger en boulet de canon. C'est qui s'amuse avec le tonneau des bourrées? C'est moi. Roulez bourrées. Comment ça, j'ai pas réussi à ramasser? Les caisses des damnés, on peut les vendre? Je me souviens plus.
Bah, c'est une caisse de stockage, donc je suis pas sûr. Ah, les caisses de stockage fantômes, on peut les vendre. Hein. Mais il sait tout, lui. Mais bah, comment? Ah ouais? Attends, combien? Mais ouais, faudra les vider. En train. J'ai bien dit fantômes, hein, parce oui, que les non, caisses les de stockage normaux, non? Oui. Non, c'est les fantômes qu'on a. Nine. Nine, nine, nine! Je vide, je... Ah, ça fait du bien quand il n'y a plus de Jack Sparrow pour parler toutes les deux secondes. On est un peu au calme. Ah ouais, ça fait là. Bizarre. Voilà. Ah, un navire squelette droit devant nous. Vous voulez le choper? Non, tu le laisses tranquille. Nous, on tue que les humains. Nous. Le squelette, ça ne nous intéresse pas. Le squelette, il n'y a aucune chance que ce soit Locklear, alors ça ne nous intéresse pas. Non, on tue que les Locklear. En vrai, si on tombe sur lui, on va se faire laver la gueule. En moins de deux, ça va être scandaleux. On va dire friendship. On est gentil, Locklear, on t'aime bien. Je suis ton plus grand admirateur. j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. Alors, est-ce que nos mains vont se casser notre push prime. Et non, il passe à travers. À travers quoi? Le mât, il passe à travers le rocher. Bah oui, c'est un mât fantôme. Moi, je m'attendais, je saurais été entre guillemets. Bon, ouais, j'aime le rouge à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, j'aurais bien fight, mais flemme. Ouais, non, là, je suis la louise. Non. Écoute. Mais ils ont fini les fabs. Écoute, là, mec, c'est chill, tu vois, c'est hein, bon. Ouais, merde. C'est retour à l'avant-poste, retour au bercail. C'est incroyable ces fables. Voilà, c'est fini. Bon bah dans 2 ans. Hein. Pour la prochaine update. Oh non. Ouais, bon vas-y, je suis bourré, j'arrive plus à monter l'échelle. C'est pas moi qui ai bu, c'est la bière qui s'est fait boire. Rien fait madame. Maintenant, je viens de boire une bière et j'ai pas eu le temps de manger à midi. Alors, je vous dis. Oh, bah alors là. Bah voilà, hein. Ça va pas cette histoire. Bah non. Non, parce que cette bande de nouilles là. Ok, on fait une design review. On regarde tes designs à 3h. Ok, bah je vais finir mes designs tranquille, pas de problème. Et après, il me cale des meetings tout le long de la journée jusqu'à 3h. Et t'es là-bas. Je suis censé les faire quand mes meetings? Mes designs? Bah sur la pause lunch. Bah oui. J'ai pas mangé. Maintenant, je meurs de faim. Donc, faut pas lui dire des mots de bouffe. Sinon, il a la dalle. J'ai des chips à la crevette, mec. Donc, voilà. Je vais manger des chips à la crevette. Là, il y a un bateau en haut. Où ça? Un bateau? Ah! La moitié d'un bateau. Alors bonjour! C'est l'avant-poste de la tombe du Galion, donc Galleon's Grave. Ça fait 3 ans qu'il est dans le jeu. Je suis ravi que tu le découvres. Ah mais non, faut aller à gauche. En vrai, je sais pas comment vous continuez à jouer avec moi, je suis insupportable. Ah bon? Non, ça va, Non, mais je dis ça parce que je trash à la moindre heure. Mais c'est bon, au moins je vous insulte pas et je vous crie pas dessus. C'est vrai. Ah bon? Pas comme Locklear qui engueule. C'est... Vas-y, je t'ai crié dessus déjà? Peut-être. Je sais pas. Est-ce que je t'ai déjà insulté? Non. Quoi? Je me rappelle plus, mais peut-être. Bon, si je me rappelle plus, c'est que. Ça dépend du niveau d'insulte aussi. Oui. C'est vrai que si, ouais, ça dépend. Si c'est, voilà, espèce de quenouille, bon, ça va. Bah, après, Regardez les belles quenouilles. Mon dieu. Oh, vas-y, les insultes de Canadiens, là. Oh, l'insulte de Québécois.
forêt d'en haut, c'est vraiment chiant. Ouais, ouais, on est d'accord. Bonjour madame. Ah, c'est bizarre ça. On peut pas vendre. J'ai accepté par erreur son invitation, la quête d'émissaire. On peut pas aller vendre ? Allez, attends. Ouais, bah c'est ça, je pense que les caisses de stockage, ça me paraît bizarre. Et le bateau qui continue à faire son petit chemin. Le bateau, il part en voyage. Salut, loser ! Oh. Je me casse ! Salut ! Vas-y, le bateau, là. Ok, j'ai accepté la quête. Alors, nous avons des îles. Je crois que c'est une énigme. Ah, oh, putain. Mais non, je rigole. C'est juste... Le mec, il sait pas trouver les îles sur la carte. Il y en a une en forme de pioche. Comment je fais? Peut-être que tu regardes si sur la carte, il y a une île en forme de pioche. Incroyable. Alors, elle est où l'île en forme de pioche? Est-ce que c'est une île en forme de... Non. Vas-y, je sais même plus lire la map. Ah, je l'ai trouvé. Mais là, du coup, Ah oui, putain. On a trouvé une, Jean-Michel. Ça va, c'est des îles faciles. Mais vas-y, toi, t'es facile. On le sait, surtout qu'elles sont pas très éloignées les unes des autres. Mais s'il y a que ça, bon, ça va. Tu peux donner déjà un cap ou pas? Cap, capitaine. Lol, il y a un comique. Attends, je vais vérifier que la plus proche soit... c'est laquelle? C'est Shivers Retreat. Donc va à l'ouest, légèrement au sud. Et ce sera déjà très bien. Oui, on a les quatre. Question. Oh, elles sont en ligne après. Donc va à l'ouest pour moi. Salut Foxy Fox. Putain, mon micro, il est trop fort. J'ai installé l'option ne détecte pas quand je mange des chips à la crevette chinoise. Du coup, quand je mâche, vous n'entendez pas normalement. Incroyable. C'est sud-ouest, hein. Non, c'est ouest, ça. Légèrement au sud. Ah, ok. En fait, on aurait dû acheter des boulets ou des... Ouais, après, là, on va juste déterrer des trucs, à mon avis. Ouais, si on se fait pas attaquer, ça ira. Si on se fait pas attaquer. On va très probablement se faire attaquer. Bon, c'est nous les champions de Sea of Thieves. On a sauvé Jack Sparrow. Qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y, dis tout de suite que je te fatigue. Vas-y, ah, bye, on va rien te dire. Vas-y, bye pour voir. Vas-y, je te dis bye si tu me fais du sale. Merde, ça c'est le hit de l'été bye dernier. Bye. Merde. Attends, non, c'était même pas le hit de l'été dernier, c'était il y a 2 ans, ça. Ouais, là, c'était il y a 2 ans, je crois. Bon, putain, on a perdu 1 an de notre vie avec ces conneries. Oh, presque 2 ans, en vrai. Ouais. Punaise. Ah là là. Allez, là, faut lever les restrictions de voyage et tout. J'ai des gens qui doivent faire des stages à Londres, donc bon, hein. On a marre, là. Ah, une pierre bleue. Elle est rouge. Je crois que je l'ai loupé. C'est pas grave. J'ai essayé. Alors, champ marin. Est-ce qu'ils ont rajouté des champs de Sea of Thieves? Bon. 5 fables, il faut 2 ans. Ben, Overwatch 2, il faut combien d'années? Non, Overwatch est mort.
On verra si ça prend beaucoup plus de temps, oui. Sachant que le directeur il s'est barré. Oh, donc, ah, il s'est barré. Papa Jeff, ouais, Jeff Kaplan, il est parti de Blizzard. Mais c'est pas grave, il y a. Ah, je pensais pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a repris le flambeau, t'inquiète pas. Hein. Ouais, mais ça, je pensais pas que c'était le patron. Ouais, Jeff Kaplan, c'était le mec qui était en charge de Overwatch. Non, c'était celui qui faisait les annonces. Oui, mais c'était le. Je crois que c'était le exécutif producer ou directeur de Overwatch. Il faisait les annonces parce que justement c'était quelqu'un d'important. Ouais. Hop, alors, on va falloir tourner un peu vers la droite. C'est l'homme qu'on appelait Papa Jeff, quoi. Ouais. Bien, il est parti. Encore loin des îles. Bon, je vais voir. Ah, on l'a dépassé. Le reste. Le reste. On est passé à côté, mais en mode, eh, vous avez vu, il y a une île là. Ouais. Nord-est, les gars. Pas grave, on prend la prochaine. Hein. On va se faire un petit demi-tour. Non, la prochaine, elle est pas du tout là. Ouais, demi-tour à l'encre. Ouais. Oui. Ça, c'est un classique. Oh, regardez-moi, mais on était alignés sur le nord-est, quoi. Demi-tour par. Eh oui. Ce talent du joueur lillois, incroyable. Ah, on essaye d'être pas trop mauvais. Bah ouais. Hein. Incroyable, ce talent, franchement. Hein? What? J'arrive. Pourquoi tu un? Ah ok, en fait, on a vraiment dépassé de. De beaucoup. Mmh. Ouais, mais c'était bien, c'est parce qu'on était en mode observation là, pour l'instant. Ouais. On vérifiait qu'il n'y avait pas d'ennemis, tu vois. Exactement. Les excuses bidon. C'était quoi déjà? Comment on dit que quand on regarde autour avant d'attaquer. C'est une mission de reconnaissance, madame. Ok, on y arrive là. Il serait temps de s'arrêter à Lille, on va pas passer 5 fois devant. Et le droit devant. Oui, c'est celle-là. Ouais. Mais là, où on arrête les voiles? À droite, va à droite et on remonte les voiles. Donc, Platteur, tu fous quoi? Quand je dis on remonte les voiles, ça te concerne toi aussi, hein? Oh, mais le mec, le bateau il est pas à l'arrêt, il s'est déjà barré en mode ouais, non, moi, les tâches ménagères, on m'en occupe pas, hein. Démerdez-vous, hein. Faites la vaisselle tout seul. Ah, il y a une petite sirène verte en plus. Nous dit si on pue, hein. En plus, voilà quoi. Quand même, une sirène verte. La sirène. Ah oui, elle est là, oui, d'accord, effectivement. Si je l'avais pas vue, c'est qu'il y avait un petit problème. Revolf. Partez-lui la gueule! Maintenant qu'on sait que les sirènes ce sont des pirates en cours de transformation. Ah ouais? Ouais, ce sont des pirates en cours de transformation en crabillé. Ah, intéressant. Sauf que quand ils sont à cet état-là, c'est trop tard pour les sauver. C'est pour ça que quand on casse la sirène, ben, y a rien dedans. Ah ouais, d'accord. Y a pas de regret. Ouais. Alors défonce la gueule. Ouais, j'ai envie de prendre un petit verre. J'ai trouvé un cœur de crabier, mais je sais pas combien ça se vend, ça. Bah, ça se vend, c'est exactement pareil que les rubis. Oh, trop bien. En fait, c'est le même fonctionnement, exactement pareil. Juste pas la même gueule, quoi. Des... Voilà, exactement. Cool. Et ouais, c'est quand tu tues des crabes, en fait. C'est ça. Trop bien, j'ai envie de tuer plein de crabes, maintenant. Crabocide.
Mais c'est vrai qu'on venait ici pour des... Ah oui. C'est la... C'est quoi, c'est la première... C'est celle en forme... C'est la deuxième. Ouais. Deuxième partant d'en bas. Ah. Deuxième. Voilà. Genre du câble celui que je cherchais. Non, je sais, c'est pour ça que tu m'as indiqué où c'était en fait. Oh, les fantômes là qui viennent pour nous. Et les fantômes, on sait ce que c'est ou pas? Salut à toi Yuiko. Oui, ça se passe bien. Bah, c'est des gens qui reviennent de la mer des damnés, c'est bon. Et pourquoi ils nous attaquent? C'est des cons. C'est ma réponse. Ouais, non, y a pas, okay, ouais, y a pas plus de... Pour le moment, non, on n'a pas de lore particulier. Juste des gros. Ok, ça marche. Nous s'attaquent. Ah, il faut 10 000 coups de pelle pour déterrer un coffre là, ça va aussi. Il est un peu bugué en plus s'il continue de faire poing poing. Et moi qui ai un dixième coffre en même temps. Ah, il y en a deux. Ouais. Ah ouais, trop drôle. C'est bon, je t'en prends un. Ok. On va pas déterrer le dernier coffre. Ok, on les a tous. Je vais perdre vers nous. Eh oui, sinon ça va. En fait, Sea of Thieves, ça fait quand même partie des jeux où c'est limite plus le même jeu à la sortie que maintenant. Bah ouais, c'est ça. C'est incroyable le nombre quand tu joues. Enfin, nous, on les a connus petit à petit, mais le nombre d'échauffements qu'il y a eu depuis le début, c'est ouf. Ouais. Il n'y avait pas tout ça au début. Hein. Nous, à l'époque, quand le bateau coulait, le jeu se désinstallait. Les mecs qui racontent tellement de la merde, mais tout le temps. Et... Vas-y, j'arrive pas à attraper le coffre, j'ai trop bu de la bière, wesh. Vas-y, j'ai attrapé Fletcher à la place du coffre, c'est scandaleux. Après, j'ai fait tomber un coffre devant le bateau. Ah, il l'a. Vas-y, heureusement qu'il l'a. Mon pote va bien, j'espère. Bah, il y a Matteo et il y a Fletcher, j'ai l'impression qu'ils vont bien. Ouais, ça va. Je suis moins poli que toi, hein, je l'aurais pas demandé. J'en ai marre, mais ça va. Le travail, t'en as marre? Ouais, j'en ai marre du travail. Bienvenue, bienvenue à... C'est ça, d'être un adulte. Non, en vrai... Ah là, ouais, non, mais après, bon, je me plains, mais ça va, ça pourrait être pire. Non, mais en plus, bah, mais... après à mon avis, tu te plairas plus dans ce que t'as étudié aussi, quoi, c'est normal. Ouais, non, mais là, c'est un petit job d'été, un truc administratif. Ouais. À l'est. Ouais, j'imagine que ça doit pas tout le temps être funky, funky. Mais bon, ça va, franchement, ça va. Ce qu'il y a de bien quand tu travailles, c'est que ça te donne de l'argent gratuit. Le mec a rien compris à la vie, t'sais. Et l'argent gratuit, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien l'argent gratuit. En fait, on va aller au sud-est. Ah ouais? Ouais, on va commencer par l'île du bas, comme ça, en remontant, on pourra tout aller vendre. Ok. Sud-est ou sud-sud-est? Yuika et pas Yuiko. Ok, pas de problème. Yuika, alors. Sud-est, presque sud en vrai. Ah ok. Ah donc ok, ça marche. Donc sud-sud-est, c'est parti. Les chips à la crevette, c'est vachement bon. Sauf si t'es allergique à la crevette. C'était l'intervention de Capitaine Obvious. Voilà. Merci, merci beaucoup. Incroyable. Allez, une petite danse quand même. Après, c'est pas forcément bon, il y en a qui aiment pas la crevette. Oh, c'est bon la crevette. Ouais, ouais. Oh, la crevette, c'est pas mal quand même. Avec de la mayonnaise. Ouais, toi t'es un mayonnaise au bord. Ouais, mais mayonnaise crevette, ouais, la base. Trop trop bon. Avec des herbes. Elles sont déjà décortiquées là, que t'as juste le plaisir de manger. C'est pas mal. Moi, les deux me vont. Lui, ouais, bon. Fletcher, tant que t'as la crevette. Tant qu'il a la crevette et la mayonnaise, Fletcher, il est bon. Tant qu'il a la nourriture. Si la mayonnaise est maison, ça dépend. Il faut qu'il goûte avant pour te dire si ta mayonnaise est prête ou pas. Si la mayonnaise n'est pas validée par Fletcher, c'est qu'il y a un problème. Après, bon, j'ai vu des mayonnaises vraiment spéciales. Hein. Mais... J'ai vu des mayonnaises dans ma vie.
J'ai passé de l'industrie jusqu'à la maison. Je me demande comment c'est possible qu'on peut rater une mayonnaise. Bon, après, à La Réunion, c'est un peu normal. Ouais, bah, à cause de la température, il fait trop chaud. C'est dur de faire monter sa mayonnaise. Mais je te jure, c'est plutôt un bain d'huile que la mayonnaise. Foie, ouais, quand t'as vraiment raté. À Lille, ça va, la mayonnaise, elle monte. Sauf en été. toi, ah, c'est bah plutôt là... sushi. Moi, j'adore les sushis aussi. Je pense que Jack Sparrow est allé où? Jack Sparrow, il est allé, il est retourné, pour le moment, je pense qu'il est retourné dans son monde et on le reverra peut-être un jour, dans 2 ans. C'est pas parce qu'il a dit qu'il va faire des choses dans Sea of Thieves. Il y a quoi d'autre comme... Oh, vas-y, je te laisse parler, pardon. Tu disais quoi, Fletcher? Quoi? Il allait faire d'autres trucs dans Sea of Thieves. Il disait qu'il avait dit qu'il avait des choses à faire dans ce monde-là. Bah, peut-être. Alors, il est parti se promener. Mais vraiment, allez, ce serait quoi la prochaine série qui pourrait intégrer Sea of Thieves? J'ai du mal à... Moi, je suis pas trop... Finir la quête de Flameheart. Ce serait bien, déjà. Hein, ça fait 2 ans, là, qu'on est dessus. Enfin, non, ça fait plus d'un an. On aimerait bien finir cette histoire, là. Oh, merde. Surtout qu'ils nous l'ont teasé, hein. Même... Vu qu'il y avait Duke et Wanda... Après, Attendez, on a... Après, Matt, vu l'histoire de Sea of Thieves, tout est open, hein. Ouais. Depuis mais, qu'il y a... mais dans la Fable 4, ils ont parlé de Flameheart, justement, en disant que Flameheart n'avait pas réussi à conquérir Sea of Thieves, machin. Donc ce serait compliqué. Donc moi, j'attends vraiment la conclusion de l'histoire de Flameheart. Parce que les prochains déroulements, pour moi, c'est... L'histoire de Flameheart senior... L'histoire de Flameheart Junior, qu'on doit encore voir, qu'on n'a pas encore vu. Et l'histoire du capitaine, parce qu'il y a ce fameux capitaine dont on n'arrête pas de parler, et que personne ne sait qui il est. C'était peut-être Jack Sparrow. Donc pour moi, je serais d'abord finir la quête du Flameheart. Et non, le capitaine, c'est pas Jack Sparrow. Oh là là. Scandale, si c'est Jack Sparrow, je brûle des livres. Nous arrivons à l'île de la dent de requin. De toute façon, les requins, ils ont une dent contre moi. On fait genre qu'on n'a pas entendu. Ouais, c'est la meilleure des choses à faire. Même moi, je fais genre que je l'ai pas dit, tu vois. Vas-y. Donc, changez rien. Par contre, on... Ouais, je vais descendre une petite voile. Ouais, que sinon, on va s'arrêter un peu trop... Trop loin. C'est un petit peu enflammé là, les gars. Pas enflammé. Non, alors, la boule de feu dans le ciel, ça s'appelle le soleil. Ah non, on s'est un petit peu enflammé, ouais, ok, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. Non, mais j'écoutais pas. Ah. Avec que d'une oreille. Et d'une moitié de sa robe. Ça sort. Ils sont déjà en train de se battre. Hein, Et on va le vendre le sceptre. J'ai trouvé un sceptre. Mais ce qui est marrant, c'est que les fantômes et les crabes se battent. Je suis Saruman le multicolore. En tout cas, les squelettes et les crabes ouais, se battent contre. Ils se foutent sur la gueule. C'est génial. Ouais, je penserais plutôt cool qu'il y ait genre des factions entre guillemets. Ah bah, il y a un capitaine. Ah bah, bravo. On tape le capitaine, hein? Bah, je vous félicite pas. On a eu de taper le truc. Tu mets le capitaine, Fletcher? Ah, ouais. Si, j'ai trouvé un coffre. Non, mais Yuka, on prend pas la flatterie ici. C'est pas parce que tu me dis que je suis BG, plutôt BG, que je vais mieux jouer. Hein. Attention, j'ai une réputation à tenir. Je vais continuer à jouer mal. Hein. On est sur quelle île ici? Ah, celle-là. Mais j'ai du mal à m'en repérer, moi, j'ai un problème. Après près de 2 ans de Covid, laissez-moi retourner à la boxe et faire du sport avant de flatter mon ego, sinon ça va pas le faire. c'est très mauvais. Mais avant d'aller à la boxe, faut déjà que je dérouille mon dos. Comme ça, après, je pourrais me faire dérouiller. LOL. Bah,
Moi, mon père fait... me demande de faire de la gym. Ah non, pas de la gym, non. 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 Pas de la gym, non. Ça, fais du jujitsu. Pas toi. Mais non, mais fais du jujitsu si tu veux faire de la gym ou du... Je sais pas, fais un truc... Pourquoi de la gym? Non, mais il l'a dit dans un contexte précis, genre... T'as mal au dos, parce que t'as mal au genou. Sport. Oui, non, mais alors faire du sport, oui, mais pas de la gym. Enfin... Non, j'ai rien contre la gym, en vrai. Je troll juste. Hein. C'est juste que moi, la gym, je détestais ça au lycée. Mais tellement. Ouais, ce que j'aime pas, c'est les sports de combat. T'aimes pas les sports de combat? J'aime pas la discipline. Mais c'est trop drôle, parce que tu faisais du sport de combat avant. Tu faisais du taekwondo, non? Oui, mais c'est... Ben, j'écoutais mes parents. Ils étaient forcés. Va te battre! Non! Va te battre! Non! Mais j'en ai marre de me faire casser la gueule, maman! Vas-y, va te faire casser la gueule, mon fils! Alors... Ah, il est con, lui, hein! Ah, toi, t'aimais pas? Je savais pas du tout que t'aimais pas les sports de combat. Ouais, oui, mais. Il y a tellement de contraintes que j'ai arrêté. Ouais, ça va, c'est radical. En vrai, si tu fais du free fight, il n'y a pas de contraintes, hein. C'est juste que. Faut s'habituer à perdre une ou deux dents toutes les semaines, quoi. Non, moi ça m'embête pas de me prendre des coups, mais bah alors, c'est la personne devant en fait. Hein. Bah alors fallait faire du free fight, fallait pas. Parce que moi je te garantis, en boxe thaï, personne râlait. Hein. On se mettait sur la gueule. j'ai presque oui, eu un. Oui, c'est. Moi en sport de combat, c'était pour ça que je suis venu. Ah oui. Mais pour taper des gens. Non, mais après ça dépend quel sport de combat, ça dépend dans quel club et tout. Mais je peux te dire qu'en boxe thaï, nous, on se mettait sur la gueule. Hein. J'ai failli me faire péter le tibia de la jambe gauche. Il y avait du sang assez régulièrement. On se faisait engueuler parce qu'en fait, on était à l'IKC. C'est un club à Lyon qui était tenu par un ancien champion olympique de karaté. Et en fait, le club de karaté, ça allait, tu vois. Mais à un moment donné, on s'était fait engueuler un week-end où on était venus. Ils nous avaient tous réunis. Il était là, bon. On va pas nommer le club qui est responsable, mais les gars, quand vous foutez du sang sur les ventilateurs et sur la clim, vous le nettoyez, s'il vous plaît. Et forcément, le sang, il venait du club de boxe thaï. C'était n'importe quoi. Il y avait du sang partout, parce qu'on s'était mis sur la gueule la veille. C'est ce qu'on aime. C'est dommage. Ah, c'est... Ouais, enfin, quand... Moi, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit problème... Quand mon prof a essayé de me plier le coude à l'envers, que j'ai trouvé que ça faisait mal, et il fait non, t'as pas mal. Si, le coude à l'envers, j'ai. Ouais, si, plutôt mal, oui. Enfin, je crois pas que ce soit fait pour être plié dans ce sens-là. Hein. Tout le monde n'a pas été champion du monde. Non, tout le monde n'a pas été champion de boxe thaï underground en Algérie à l'âge de 11 ans. Hein. Ça fait un peu mal de se faire plier le coude à l'envers. Parce que ouais, c'était un ancien champion. Attendez, il y a d'autres fantômes là qu'on peut aller tuer. Enfin, d'autres crabes. Et du coup, s'ils continuent de nous donner des rubis rouges, moi je prends. Tu peux y aller? Ouais, on va les tuer. Tu ressembles à. What? À Will Turner? Je ressemble pas du tout à Orlando Bloom. I wish, comme on dit en anglais, j'aimerais. Hein. Voilà, Will Turner, c'est pas le plus moche. Hein. Vas-y. On change de sujet. Non, non, t'inquiète pas. Tu ressembles à Gérard Depardieu un peu, non? Quand j'étais plus jeune et que je portais des lunettes de soleil, on m'avait dit que je ressemblais à Neo de Matrix. Mon ego avait fait un double bond, triple salto arrière, je me sentais plus pissé. Après, il y a un gamin qui m'est... Mais ça, c'était trop drôle. Je me baladais à Carrefour à Lyon et il y a ça c'était pendant ma période boxe thaï justement donc j'étais plus baraque, j'étais plus maigre et il y a un gamin qui passe et il fait regarde maman c'est Batman. J'ai dit là oui bah oui oui c'est moi. C'était à l'époque merci, de merci, gamin. c'était à l'époque de sur le bateau moi je suis mort. Attends, je suis mort. C'était à l'époque de Batman Begins donc en gros il disait que je ressemblais à Christopher Nolan. Non pas Nolan oui ça peut Nolan c'est le réalisateur. Oui, bah oui, c'est ça le problème. Comment il s'appelle l'acteur, je sais plus. Et il y avait un autre gamin qui avait dit que je ressemblais à Scott dans X-Men. T'es content, hein? Moi, mon ego, il allait au plafond, hein, régulièrement.
Non mais en fait on était parti récupérer les trésors des crabes qu'on était en train de tuer. Ah bon bah après. Là j'ai bientôt aligné les petits coffres, je suis content. J'ai fait mon petit maniaque. Oh c'est joli. Bon allez, à l'île suivante hein. Et hop. Prochain arrêt, l'île Flandre. Faut tourner à fond à gauche. Vers le nord, plein nord. Ouais, de toute façon on est quasiment sur l'île, je crois. Tu dois attendre le 31 juillet. Pourquoi le 31 juillet? Qu'est-ce qui arrive le 31? Alors nord-est. Hop. Et tu peux redresser alors. Ouais, c'est ici. Remontez la voile avant. Un petit peu à gauche encore. Ouais. Et redresse, nickel. Des crabiers. Mange, nourriture de crabiers. Ils sont électrifiés, fait chier. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Headshot. Tata yo-yo. On est sur la première là, non? La deuxième. Ah, c'est la deuxième. Effectivement. Vas-y, trouve tous les trésors, on me dira. Allez, un quatrième. Vas-y, en plus, à chaque fois, il creuse un coup et boum. Un cinquième. Ah non, merde. Le cinquième, c'est pas le pire qu'il est. Moi, j'en ai 4 sur 5. La pire, t'as brisé mes rêves. C'est pas une compétition. Hein. L'essentiel, bon, bah, c'est ma petite compétition perso. Ouais. L'essentiel, c'est de laisser les autres faire le taf. Hein. Donc, moi, je crois que j'ai gagné. Hein. Eh ben, moi, j'aimerais bien être dans ton cas. Moi j'ai gagné, je vous ai laissé faire le taf. Vous avez accompli une... What, je vais te calmer. Je vais t'expliquer la vie un peu, non? Voilà. La vie c'est simple, je vais te l'expliquer, à la fin tu meurs. Voilà, fin de l'histoire. Attendez, vous avez votre anniversaire le même jour, Yuika et sa sœur. Mais pourquoi... Pourquoi tu dis que ta sœur, c'est un vrai démon? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est sûrement pas pire que moi avec ma sœur. Ou que ma sœur avec moi, d'ailleurs. Ça marchait dans les deux sens. C'est réciproque. Ah, on peut toujours dire pire, hein. Je sais pas, est-ce que t'as déjà planté une fléchette dans la main de ta sœur? Et c'est à ce moment que t'es content d'être fils unique. Et ouais, j'ai mis. Ah bah attends, on va les prendre envers toi. Vaut mieux une flèche dans la main que péter le crâne, non? Pourquoi t'as pété le crâne de ta sœur? Pas vraiment, mais dans le sens là. Non, vas-y, donne le contexte, je veux savoir, parce que ça dépend du contexte. En fait, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, je poussais ma sœur, et comme par hasard, elle battait sa tête sur le côté de la table. Oui, alors déjà, tu lui as pas cassé le crâne, hein, on va être clair, n'exagérons rien. Et ensuite, pousser et un accident où elle tombe, ça va. Ça, c'est des choses qui arrivent. Parce que si on commence à dire toutes les fois où ma sœur m'a poussé, où je me suis fait mal, où elle s'est fait mal, on n'a pas fini. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Mais même moi, la fléchette, il n'y avait pas de mauvaise intention. Hein. C'est ma sœur qui est passée sous la cible au moment où je jetais la fléchette. Bon, le fait de l'avoir enfermée dehors le temps qu'elle se calme, c'était peut-être pas la meilleure des solutions. Mais en même temps, il faut me comprendre, j'avais peur, elle avait l'air énervée.
Il venait se prendre une fléchette dans la main, tu sais, en plus. Donc, pas cool. Après, pareil, le jour de mon anniversaire, elle s'était fait une double fracture du poignet. J'étais là, mais oh vas-y, mon anniversaire, wesh. C'est censé être un jour heureux et tout, et c'était un jour à l'hôpital. C'est moins drôle. Mais après, les frères et sœurs... J'adore comment on a mis les coffres. C'est trop bon, ça fait penser aux vidéos, tu sais... 10 000 loot et je sais pas quoi, avec les mecs qui battent des records. Salut, pour avoir la promotion collectionneur d'or à coquille, il faut être grade 5 obligatoirement. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, j'ai pas regardé les... Attends, je vais aller voir. J'ai pas du tout regardé les commendations. Alors, elle est dans quoi? C'est journal pirate, je voulais pas ça, moi. Je voulais voir. Noriste. Réputation. Collectionneur d'or à cookie. Je parle bien des promotions. Voyageur d'or. Ah, coquille. Grade 5, vendez 300 coffres d'épave aux collectionneurs d'or. Oui, bah, il faut être grade 5, du coup. Ah, non, non, non. Non, non, elle a plusieurs grades. Ça, c'est pour atteindre le grade 5, justement, que tu dois en vendre 5, je pense. Je pense pas que tu dois être... J'ai vendu 450. Non, non, c'est juste... je pense que tu peux le faire tel quel. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je peux l'appeler Haru, mais elle est... J'étonne un vrai diable. Elle est jamais contente et en plus elle est short. Mais ça c'est normal, ça c'est les frères et sœurs, ça. Jamais content et c'est chiant. J'aime mon anif, mais pas quand elle est là, je préfère quand elle est pas. Ah, tu dis ça maintenant, mais ça va changer. Moi, ma sœur me cassait les couilles avant aussi, maintenant ça... Normalement, ça... On grandit tous, hein. Oui, ça changera avec l'âge. Surtout que là, un écart entre 16 ans et 10 ans, par exemple, c'est normal que tu trouves ta sœur chiante, hein. Ça ira. Comme Cody dans Malcolm. Moi j'aime pas mes frères, moi j'aime que moi. Vous êtes trippé ce gamin. Moi j'aime pas mes frères, moi j'aime que moi. Bon, en même temps, c'est legit, hein, t'as le droit. En même temps, vu ce que lui faisaient ses frères. Franchement, je le comprenais. Il se faisait un peu martyriser la gueule. Il y a des grosses créatures. Au revoir, grosses créatures. Voilà, un coffre que Matt ne trouvera pas. Ah non, là j'abandonne, là. Le gros bâtard. Je fais ça rien que pour te faire tier. Mon dieu, il y a la mort-lampe, le mec. Vas-y, comment il m'a tué lui? Suscitez-moi les amis. Ah vas-y, je suis en vie. Je me suis ressuscité tout seul. Infernal. Ouais, ils sont en mode protection. Infernal. Faut jamais dire jamais. Tous les petits trésors.
Est-ce qu'ils sont chiants les crabes là, ils arrivent, ils reviennent tout le temps. Insupportable. Ouais. Ouais, vas-y, c'est bon. Quel côté de l'île. L'ASMR. Oh. Ah, il y a des fantômes maintenant, bah, bravo. Ah, mais là, c'est. Un peu du slip là, un peu. Toujours non plus, toujours plus. To the moon! Vas-y, même pas drôle, ça donne la même couleur que le squelette. Les taper avec le harpon, ça fait plein de dégâts. Ça fait pas des masses, mais ça peut finir par le tuer. En fait, tu peux le spam, donc ça fait pas, c'est ouais. Pas mal. Et comme t'es à bonne distance, c'est tranquille. J'entends le grappin qui fait bam 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 bam. Scandaleux. Ah mais t'avais l'angle. Ouais. Moi je déplace le bateau. Je vais tourner un peu le bateau je trouve. Ah y'a les petits fantômes, fais gaffe. Il y a les Casper. Mais je sais pas du tout. On a un harpon Gatling. Pom 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 pom. Et voilà. Oh yes, oh le la petite gemme récupérée à 10 000 mètres là. Ça fait plaisir. J'ai pas compris ta phrase, Yuka. Yukani. Il me manque encore un coffre là, ouais. Ouais. Ah non, encore. Oh. Oh là là, encore des craves, putain, il va pas nous lâcher. Oh, oh joli. Oh. J'arrive. Oh putain. Je l'ai même pas vu qu'il y avait des mecs mais avec. Non t'es reparti trop vite. Ah oui, mais putain, oh là là. Et j'ai trop ramené, moi. En fait, je joue à chaque fois en solo et du coup, j'ai l'habitude de spam. Merde. Non mais moi je suis un ancien, je refuse ce nouveau type de... Oh vas-y le réfracteur. Je boycotte le revive. Moi je me pas moi. Y'a aucune gloire à être revive. Pas de ça chez moi, pas de ça chez moi. Stocker de nombreux coffres en une seule fois, 18 sur 20, c'est pas énorme 18. Ok. Là on est bientôt à 20. Salut la mission.
Après tout dépend du type de coffre. Là on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fois 2, 16, on est à 17 là. 17 non par coffres. Contre les barils de poudre tu peux les laisser, Flatueur, tu peux les utiliser pour tuer les crabes. Bah... On n'en veut pas. Hein. J'avais un truc dans la main, ok. Tu peux les utiliser, ouais. Mets les près des crabes et défoncer avec. Hop là, je te pique ça, hein, Flatueur. Mais non, il se téléporte au mauvais moment, ce fantôme. Là. Bon, ouais. Merde. Il nous reste un coffre, ouais. Bon. Ouais. Reste un coffre. Oh, les fantômes, j'en ai ma claque. Je me le fais. On va bientôt plus nous emmerder là. Je l'ai. Joli. Non mais par contre, si, je dis les pseudos que j'ai vus. Si vous avez un pseudo et que vous voulez vous faire appeler autrement, les gens, mettez-le dans votre pseudo parce que sinon pour moi c'est très difficile à retenir. S'il y a plusieurs personnes et tout, je vais pas forcément retenir autre chose que ce que je lis. Ben voilà, on a tous les petits coffres. Voilà, on a les coffres. Putain, mais... Salut Matt, salut Fletcher, nous dit Vlamissou. Salut, salut. Tu cru. Oh, ayo. Ayo, gozaimasu. Mais c'est fini là? C'est quoi ces îles où il y a plein d'ennemis maintenant? Il y en a trop. J'ai vu n'importe quoi. Oh, en plus, on a l'outpost juste au-dessus. Quel plaisir. Hashtag, c'était mieux avant. Hein. Ouais. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est bien vrai, ça. Ah, attendez, peut-être que vous avez besoin du harpon Gatling. Je suis disponible. Le harpon Gatling. Le squelette, il prend cher. Et donc, ouais. Direction. Ah, il y a ça qui est intéressant. Allez, direction nord. À plein nord. Ouais. Si tu sais pas, c'est pas vendable. Si, c'est vendable. Non, non, c'est pas vendable. T'as raison. C'est pas vendable. Le sceptre. Ah, le harpon. Enfin, oui, pardon, le sceptre. Le sceptre. De Poseidon. Regardez-moi toutes ces gemmes. J'aime les gemmes. Vas-y, casse pas. Elle va la toucher. Oui, il y a une petite gemme bleue. Ah ouais. Je veux que tu abandonnes ton sceptre. Ah bravo. On a fait un tour complet. On est revenu au début, t'es. Mais c'est quoi, notre cop, c'est nord. Ouais, c'est nord, nord tout. Ouais, ouais, je suis en train de tourner. On a fait un tour complet. Mais, ah oui, d'accord, ok. Ah, ok, j'ai compris. Et c'est reparti pour le tour. Ah. Oh là 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 là. Where is le trident? Bah, je me demande. Ah, c'est là. Planeur! Bah, la dernière fable, elle était cool en termes de combat. Je t'avoue que j'ai rien suivi de l'histoire ou quoi. Parce que quand t'es à 3 sur un bateau, en gros, et que. Il faut taper David Jones, il est méchant. Tout ça, et que tu lis pas en même temps parce qu'il parle en anglais et que t'es en train de parler en français. Bah, c'est cool, hein, c'était sympa, mais. Ouais, c'était cool. Mais après, y a pas beaucoup d'histoires. Mise en scène, c'était pas mal. Après, il faudra que je les repasse en solo pour lire un peu tout, aller voir à droite, à gauche. Bah, si tu veux faire, je vais bien faire le. Je vais bien faire avec toi si tu veux. Ah. Ça touche les alliés. Ça te fait mal? Non, mais ça pousse. Ah, mais ça c'est pas grave. Mégalo! Le mégalo! Le mégalodon! C'est le blanc? C'est le blanc? Non, c'est le jaune. Non.
C'est jaune. Ah. Le jaune. Est-ce qu'on a des boulets de canon, les amis? Oui. Une question essentielle. Bah, si on en a, on peut le défoncer. Comment les boulets de canon dans ce bordel? Donc le jaune, j'ai jamais fait mon perso. Tu peux utiliser le trident si tu veux. Vous êtes sûr que c'est le jaune, ça? Je sais pas, je l'ai vu jaune. Oui, c'est le jaune. Je vois de quelle couleur? Rose, peut-être, hein? J'ai bien aimé, mais j'aurais voulu un petit combat contre... Ah bah, clairement, oui. Ça manquait de petits combats contre... C'est sympa de voir plus David Jones. Ouais, parce qu'on a eu un petit combat contre un mec, contre un anglais, là. Mais en fait, ils ont même pas battu, ils nous ont envoyé des fantômes. Mais il est parti où, le Smegalodon? Oh, il s'est barré. Parti dans ton... Bon bah, il s'est barré, mais tant pis. Ah oui, il est parti tout court, là. Mais Mégalodon, c'est l'animal le plus débile. Genre, t'as envie qu'il t'attaque et lui, il se barre. Vas-y, le troll, quoi. Ouais, parce que le jeu, je l'avais pas, ça m'aurait fait le succès, non. Allô ? C'est ce qu'on veut dans la vie. Il nous a abandonné. Et on peut vendre les gemmes aux marchands ou pas? Ouais, bah, moi, ça me va. À qui tu veux? Je l'ai pas encore 50 le marchand. Vu qu'ils ont augmenté le nombre de niveaux maintenant. Je crois que c'est niveau 100 maintenant. Ah bon? Moi les marchands, je suis pas encore. Enfin, il manque le marchand et le squelette. Pour, le marchand, c'est dur à monter. Ouais. Moi, c'était le premier que j'avais eu à 50. Tourner un peu à gauche. Parce qu'à l'époque, c'était la mission qui rapportait le plus de fric, donc je faisais que les marchands. Et quand il y avait encore l'histoire des poulets en or, plus personne attrape des poulets ou des cochons dans ce aussi. Ouais, non, mais non, c'est fait. Moi, je les ai farmés, dis-toi. T'as le choix entre le poulet ou des fables. Non, mais dis-toi que moi, les poulets, je les ai farmés, quoi. Parce que c'est vraiment... Et en plus, j'optimisais pour aller chercher les poulets en or, pas les poulets... Pas les poulets classiques, c'était un bordel. Vas-y, je suis riche, mec. Bon, ça s'avoue plus. Je suis à 1 066 et on va voir comment je finis avec tous les trucs. 1 576. Les gemmes, tu peux vendre à la marchand. Ah ouais, c'est ce que je fais, t'inquiète. Mais elles valent cher, les gemmes, c'est trop bien. Elles valent le même prix que les vraies gemmes. Mais ce jeu est cheaté, maintenant. C'est ouf, quand tu vois comment nous on galérait de notre temps, hein, quand tu perdais et que le jeu se désinstallait, bah nous on galérait. Hein. Ah, surtout quand le jeu se... tu perds toute ta progression. La sauvegarde repart à zéro. Non. Mais vas-y, j'en ai marre de tomber à l'eau, je suis trop con aussi. Alors monsieur, faut marcher droit. Non. Pirate sobre n'est pas un pirate. Marcher droit et puis quoi encore? Tiens, prends ça, monsieur. Enseignez-moi la piraterie, monsieur. On est riche. Vais-je encore sauter à l'eau? Non, j'y suis arrivé. Incroyable. On voit sur une chaîne humaine. Vas-y, je l'ai droppé. Perso, c'est la dernière faction qui m'a fait passer Pirate Legion. J'avais une avance de fou sur les Gold Order et l'Ordre des âmes. Je trouvais que les quêtes marchandes étaient intéressantes. Les quêtes marchandes, les anciennes, elles étaient pas ouf. Hein. Courir après des poulets, des cochons et des serpents, je peux dire que c'était relou. Et après, les maintenir en vie. C'est ça, c'est en plus, est-ce que là on n'est pas dans l'horaire où tout vaut plus cher? Enfin, je sais plus. D'accord, un truc comme ça. Alors, en tout cas, on a le boost parce qu'on est niveau 5 et qu'on vend des coffres. C'est pas le vendredi l'horreur où tout vaut plus cher là. Mais il y a combien d'événements là qui sont mis? Putain, il y a des.
Non, c'est pas maintenant. C'était plus tôt. Tristesse de la tristitude. Par contre, il y avait un truc, si en ce moment, si on tue un méga... Enfin, aujourd'hui, si on tue un mégalodon, on avait un bonus de doublon. What? Et le mégalodon, il a fait « Non, pas de bonus pour vous !» Ouais, passé. Il nous a bien niqué. Ah, il a bien fallu que enfin, le boost, le boost de démissaire fait quand même bien, bien, bien plaisir. Hein. Ouais. Pour 1,5, ça régale. C'est les brunières. Et là, tu vas faire une cage des anciens en mode émissaire niveau 5. Pouah ! Fortune. Mon dieu, mais... Combien de trésors à bord de notre navire là. Incroyable cette fable qui nous a donné tous ces coffres de capitaine. Et seulement. Ah, il était trop sympa Jack Sparrow à la fin en mode ouais bon les gars, hein, tenez, les coffres de capitaine. Bon bah on a tout vendu je crois. C'est quand que ça se reset l'achat des niveaux Ah tiens, je vais aller voir. Bien observé. J'en ai acheté un il y a plus d'une semaine et ça s'est toujours pas reset. Ah mais c'est à chaque update. Ah merde. Avant c'était une fois par mois. Je dirais une fois par mois, pas sûr. Peut-être que maintenant c'est à la saison. Je sais pas, je vais aller voir. Oh c'est peut-être toujours une fois par mois du coup mais... Alors, ah je peux en acheter. Ah ouais bah je vais acheter des niveaux alors bah, si c'est comme ça. Hop, un niveau de plus. Voilà, je passe enfin niveau 75, mais maintenant il y a plus que 75 niveaux, non? Ah non? Ah, je sais pas. Peut-être que je suis niveau max. On va voir. Oh, je suis niveau 47, 48 de l'appel du chasseur. Ah, j'ai vraiment pas aimé pêcher. Hein. C'est mort. Ah non, j'ai perdu mon niveau 69 des marchands. Oh, c'est bien. Ça, c'est l'arena. Marchand. Du 75 des Gold Order, ah bah bravo. Donc du coup j'ai quoi? C'est quoi mon bonus? Ah, je peux acheter qu'une fois. Oui c'est qu'une fois à chaque fois. Bon bah je peux dépenser mon argent durement gagné. Voilà, tout l'argent qu'on vient de gagner, je viens de le claquer dans, dans des trucs. C'est scandaleux. Prochaine distinction. Vas-y, non, mais je suis en train de faire un truc là. Non, lui. Alors. Ça veut dire qu'il y a encore des distinctions en plus, donc effectivement, il y a un autre niveau. Où l'ordre des samedis. We have things to discuss. Ah, faut être niveau 70. Un peu la guerre sur cet avant-poste. What's up, Captain? Excuse-moi. Ah, si tu peux me revive, je dis pas non. Patcher? Oui, il a dit. Je veux bien que tu me revive, ah bah trop tard. Ah bon? Ah, bravo! Ah. Est-ce que tu vas tuer? Je vais laisser mourir. Hello. T'es français toi, non? J'ai croisé un mec dans le truc. Ouais. Donc du coup, il y a vous des entendez niveaux, ou pas du coup quand je parle au micro quand je suis dans le truc des années. Bah on t'entend nous on t'entend juste sur Discord. Ah mais non, justement, je m'étais mute sur Discord. Je
T'as entendu dire hello, t'es français, entendu. Toi. Ah ouais, donc ça, ouais, vous m'avez entendu dans le jeu, du coup, parce que je m'étais mute de Discord. Ok, bah, je vais apprendre. Hello, t'es français, toi. C'est de l'écho, même. Il y a assez pas... Bon, oui, Fletcher. Wow. Pris en sandwich. Je meurs, je brûle, ah. Tu étais l'élu, Anakin, ah. C'est bientôt fini cette guerre frappuccino. C'est bientôt fini cette guerre frappuccino. Bon bah sur ce, moi je pense que je vais y aller, on a fait des bonnes petites missions là. Ouais, c'était pas mal. Je pense que je vais arrêter aussi là, j'ai pas prévu de faire grand chose d'autre. Voilà, là on était juste en train de se tuer. Le bateau brûle. Bon bah... C'est bizarre. Bon vas-y, laisse-le brûler. C'est bizarre ce bateau qui prend feu sans raison là. Très étrange. Bon bah sur ce en tout cas, merci merci à ça, merci Fletcher. Salut à toi. Et à plus, bisous. A plus sous le puce. Attends, il faut descendre l'émissaire. Ah oui. Bon, il est parti. Trop tard. Pas d'argent bonus pour toi. On lui enverra un message. On lui dira combien on a gagné. Non, on lui dira surtout combien enfin... il a perdu. Attends, on fait la capture d'écran. Plus 5000, je suis riche. Riche, je suis niveau 6. Palapalapapa, je suis niveau 6. Hey. Pourquoi notre bateau brûle? C'est pas ma faute. Je pense que c'est la foudre. J'ai trébuché et ça a explosé. Ouais, c'est comme ça, la foudre elle arrive et hop. Bizarre quand même. Ah. Tu continues, je suppose. Non, moi je vais arrêter là. Ah, ok, bon. Je vais arrêter aussi. Je vais aller lire un livre sur les pirates. Ok. Ah. Pardon. Reviens à la vie, reviens. Ah bah, t'inquiète, avec Matt, j'étais sale. Hein. Allez, on. Capture d'écran. Reviens! Elle arrive. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Histoire de tir. Du talent à l'appel. Masque de l'union. Danse du chien. What? Mort de rire. Danse pirate. Claquette. Devenir ami. Présent généreux. T'en frapper les cuisses. Spectacle de tambour. Déguisement du tonneau. On dirait des invocations nulles, tu sais. Déguisement du tonneau. Faire signe, furtivité. On dirait Nalbuck. C'est ça. J'active ma compétence pince de crabe. J'active ma compétence histoire de sournoiserie. Pince de crabe, tu sais, c'est celui où il fait le dab mais en version crabe. Ah. C'est très très naze. Attends, je vais te montrer. Je vais voir. Ça utilise je sais pas combien de points de mana. Alors, pince de crabe. Comme dans le JDR, tu peux attaquer les PJ et avec plein de crabes et tu les tues. D'ailleurs, les caisses fantômes, ça ne te rapporte plus rien à la vente. Bah voilà, Flatter, t'as ta réponse. Parce que tout à l'heure, on voulait les vendre et bah on n'a pas pu. Oui, on a constaté qu'on peut pas. Donc t'avais raison jusqu'à la nouvelle update. Bien joué. Flatter, historien de Sea of Thieves. Il se souvient de toutes les updates, mais pas dans le bon ordre. Ah, je ne savais pas, c'est un peu dommage. Mais c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant avec la nouvelle quête. Déjà que Vlamissou, on est passé niveau 5 juste en faisant la fable 5. Donc c'est super intéressant de faire émissaire des Gold Order, des collectionneurs d'or sur la fable. On est passé niveau 5 direct. C'était très 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 cool. Donc voilà, sur ce, le stream, je vous dis à plus. Je vous dis à la prochaine, je vous dis à samedi, hein, tout simplement. Le samedi, on verra ce qu'on fait. Avant, ça donnait de l'argent. Oui, avant, on pouvait le vendre. Maintenant, on peut plus. Bref, sur ce, bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, restez frais. Ciao.